Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien, et bienvenue dans l'épisode 3 de Zelda Breath of the Wild. Nous sommes évidemment en live, il y a plein de gens qui discutent dans le chat, c'est incroyable. Il est actuellement 23h36, et puis bah, ils s'apprêtent à faire nuit, certains vont aller se coucher, bah, parce qu'ils ont cours demain, et j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai fait pas mal de petites choses assez cool. Alors, sachez que j'ai fait 2 tours, voire même 3 tours, j'ai fait 3 tours en off, que vous ne voyez pas. Vous avez rien perdu, hein. Les tours, vous avez vu, c'est de l'escalade, il n'y a rien de passionnant. J'ai fait quelques temples de façon à pouvoir soit s'ajouter 2 cœurs, soit s'ajouter 1 cœur et plus d'endurance, soit s'ajouter 2 fois plus d'endurance. Enfin bon, vous l'aurez compris, on va le choisir de suite. Donc c'est parti, on commence notre première prière. Ah bah, commencer un épisode avec une prière, c'est toujours incroyable. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Alors, on va recevoir un cœur en plus. On va recevoir un cœur en plus. Donc là, on va passer à 5 cœurs. On évolue, les gars. Très bien, je vais t'offrir, ce que tu désires. Donc, amène-moi mon cœur, frérot. Voilà, là, on passe déjà à 5 cœurs. C'est plutôt pas mal. Alors oui, forcément, hein, y a des gens, ils ont déjà 365 cœurs à peu près. Réceptacle de cœur. C'est parti. Merci, frérot. Hop, un nouveau cœur qui vient d'apparaître en haut à gauche. J'ai fait quelques petits temples en off, très honnêtement. Les temples, il n'y a rien de fou, hein, vous loupez pas grand-chose. Là, on va vraiment continuer l'histoire principale. C'est pourquoi nous sommes là, réunis ce soir. Tu sembles posséder d'autres emblèmes. Et bien sûr, cette fois-ci, on va prendre plus d'endurance. Pardon. Il faut être raisonnable. Il faut aussi penser à l'endurance. C'est très important pour escalader les montagnes. Souvenez-vous que l'épisode 2 avait terminé en mode l'escalade. C'était pas facile. Ah bah, les gars, c'était sûr que c'était pas facile. Hein. Donc, c'est parti. Plus d'endurance. Je sais pas combien tu me donnes en plus. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait gagner de précieuses secondes. Va et ramène la paix en Hyrule. Ok, donc tu me prends pour ton cheval. Un vrai plaisir. Donc, nous sommes au village Cocorico. On va continuer. On devait aller au village des limites. Souvenez-vous. Des limites, pardon. Pour parler avec quelqu'un qui avait un cadeau de la part de la princesse Zelda pour moi. Mais avant cela, je vous ai réservé une petite surprise. Et j'avais envie de le faire. Je vous cache pas que j'avais envie de le faire... en cachette. J'avais envie de le faire là, tranquillou. Mais je me suis dit, non, faut vraiment que j'attende de le faire en live. Pourquoi? Bah parce que c'est incroyable. Vous allez très très vite comprendre. J'ai 2 amiibo devant moi qui vont m'offrir des trucs totalement cool. J'en ai même un 3ème. Vous savez quoi? J'ai un Yoshi devant moi, on va l'essayer. C'est les seuls que j'ai déballés. Donc là, je m'éloigne. On va sur un chemin tranquille. On va sur un chemin tranquille. Là où il peut pas m'arriver de crasse. Ok, on est parti, les gars. Donc, on va essayer les amiibo. Alors, 5€. Mon tout premier don, et c'est pour toi car tu es génial, je te suis depuis la folle aventure, tu déchires trop, et plein de bisous à Miss Evie Girl. Merci à toi, Mademoiselle Peach, ça fait extrêmement plaisir. Des bisous à toi aussi, bien évidemment. Donc c'est parti, on est en mode amiibo. Alors normalement, comment ça fonctionne? Donc je prends le amiibo, là j'ai pris le amiibo Mario, on va voir ce qu'il m'offre. Je le pose sur mon stick, et il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, c'est bon! Placez l'amiibo sur le point. Il est où? Il est là, d'accord. Donc là, je pose mon Mario. Boum! Regardez ce qui apparaît! De la viande! Lui, il est même pas choqué. Gros, il s'en bat les couilles. Il voit des gigots, frère, qui tombent de l'espace. Il s'en bat littéralement les couilles. C'est pas mal, ça. Attends, juste, on peut tricher, le refaire. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Si je fais ça... Attendez, on peut plus le refaire, putain, dur. Ah, cet amiibo ne peut plus être utilisé aujourd'hui. Ah, je peux l'utiliser tous les jours, d'accord. C'est parti, on va utiliser le... Enfin, l'amiibo qui, une chance sur deux, qu'il m'offre Epona, tout simplement. Le célèbre cheval de Zelda, donc c'est parti. Et c'est Epona qui apparaît du premier coup. Incroyable. Je te montre, Epona, que tu es belle. Que tu es belle. Donc, c'est Epona, le célèbre, la célèbre jument de Zelda, de tous les Zelda. Elle est belle ma Epona. Oh elle est belle hein. Yo mon cher B-Boy, j'espère que tu vas bien. Je viens d'arriver, je voulais savoir si j'ai loupé beaucoup de choses. Tu n'as rien loupé mon ami, t'inquiète pas. Continue, tu gères, Zelda, c'est la famille frère. First don, merci à toi Saini, ça fait extrêmement plaisir. Oh elle est belle la Epona. Hop, voilà, je suis descendu, elle m'a saoulé. Non, je me suis juste gouré de touche. Donc nous avons Epona, elle a 4... Oh là là, regardez sa vitesse de pointe. Oh je vais l'enregistrer de ce pas. Je crois... Alors... Il me semble qu'il y a un cheval géant dans le jeu aussi. Il y a énormément de choses dans ce Zelda. Mais Epona est l'un des meilleurs... Enfin,
C'est une jument, hein, mais on va l'appeler le cheval parce que ça va la comédie. Hein, on va... Oh bah d'accord, j'ai fouetté une chèvre, le pauvre. Je crois qu'Epona est tout simplement la jument la plus polyvalente. Arrêtez-moi si je me trompe. Alors pour la voir, si tu veux la voir, il faut un amiibo spécial. Il faut le Link de Super Smash Bros. Le tout premier Link qui est sorti, le tout premier amiibo Link. Ah, elle est belle, hein. Vitesse de pointe, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est hyper simple à diriger. Oh là là, ah, ça va aller beaucoup, tout va aller beaucoup plus vite. Hein. Donc voilà, cet amiibo, depuis que ce Zelda est sorti, il est pas facile à trouver. Et il est pas donné. Très honnêtement, il est pas donné, je crois que tu le trouves à 20 balles. Et moi, c'était un des premiers amiibo que j'avais déballé parce que je m'en foutais. Et comme quoi, bah, je regrette pas. Je regrette pas, ça m'a filé Epona, c'est incroyable. Yo, Mr. B-Boy, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Moi, ça va très très bien. Ah oui, je voulais essayer Yoshi. Voir si, bon, je doute, hein, parce que ça n'a rien à voir avec l'univers de Zelda, mais, eh, sait-on jamais, soit un malentendu. Attendez, déjà, je vais enregistrer ma Epona. Alors, comment on va l'appeler Epona? On va l'appeler Epona, tout simplement. Je crois que tu peux même pas la renommer. Je crois que tu peux même pas la renommer. Ok, au galop, tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux. C'est pas toi que je veux parler, frérot. Là, c'est chiant. Là, c'est gênant. Attends. Mec. Attends, doucement, ralenti. Attends, ouais, gros, j'ai pas rentré dans... Attends, t'es avec Epona! Mais je veux pas te parler, miskine, à toi! Putain, bouge ta... Je vais brûler tout le monde, hein. C'est pas à toi que je veux parler. C'est lui, derrière. Oh, putain, c'est bon, j'ai réussi. Oh, je vois que tu as attrapé un cheval sauvage. Pas vraiment, elle est apparue devant moi, quand même. Oui, je veux l'enregistrer. Très bien, voyons ce que tu m'amènes. Nouveau cheval. Affection maximum. Docile. Endurance au top. Vigueur au top. Vitesse au top. C'est Epona, tout simplement. C'est mon cheval sûr. Nous demandons une petite participation pour couvrir nos frais, mais tu reçois... Ok, c'est 20 rubis, ça me convient parfaitement. Merci beaucoup. Tout est en ordre. On peut donc continuer. Pour que ce cheval devienne véritablement ta monture, tu dois lui donner un nom. Oh, attends une seconde. Mais c'est Epona, la jument légendaire. Elle a déjà un nom. Il vaudrait peut-être mieux le lui laisser. Qu'en dis-tu? Bien sûr qu'on va garder Epona. On va pas renommer Epona, les gars. On va pas renommer Epona. Allez, la monture est enregistrée. Est-ce que tu veux partir avec? Oui, je veux bien. Très bien, nous veillerons sur Gigi en ton absence. Pauvre Gigi, miskin. Ah bah, Gigi, il a vite été rebaptisé. Ah bah, Gigi, il était nul. Ah, il était nul à chier. C'était pas mon meilleur cheval. C'était pas mon meilleur cheval. Bon. Les choses se sont faites. Maintenant, on doit aller à notre objectif qui est ici. L'héritage de Zelda. Alors, on va y aller. Et pour ça, on va se taper juste à côté. J'avais tout prévu. Hein. J'avais prévu le chemin, vous avez vu. J'avais prévu tous les bails. Epona, je file. On se reverra, peut-être, au paradis, peut-être en enfer, je ne sais pas. Et on va récupérer l'héritage de Zelda. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Donc, on va voir. J'espère qu'elle m'offre peut-être la carte pour aller au premier donjon, au premier vrai donjon, et affronter le premier boss. Ça serait cool. Ça serait cool. Même si j'y crois pas trop, ça me paraît un peu tôt dans le jeu quand même. Mais bon, on verra hein, sur un malentendu. Donc, Yoshi Rei. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais l'essayer. Je me demande si... Il me donne peut-être de la viande. De la viande de dinosaure, ça serait incroyable. Ah bah, ça serait gore. Ça voudrait dire que Yoshi s'est quand même fait charcuter, le frérot. Mais ok. Tiens, on va faire apparaître ici. On va poser Yoshi. C'est parti. Frérot. Frérot. Oh, Yoshi donne des trucs. Eh bah, de l'herbe. Cousin, il est là. Yoshi fume en cachette. De l'herbe aussi. Très bien. D'accord, donc même Yoshi donne, mais alors tous les amiibo donnent, mais c'est incroyable. Attendez, j'essaye de réfléchir si j'ai pas d'autres amiibo. Je dois avoir des amiibo qui traînent dans la maison un petit peu partout, qui sont déballés. Bah écoutez, je chercherai ça un autre jour, hein, c'est pas un problème. Bon, nous voici au village des Lémites que j'ai visité, mais alors attendez, je l'ai visité mais je n'ai rien fait. J'attendais d'être en live, donc vous voyez, ça fait que de bouger, c'est incroyable. Il y avait cette boutique très intéressante, où grâce à ça, on va pouvoir changer totalement la couleur de notre tenue. Et il y avait une couleur qui me tenait à cœur dans Zelda, parce que ça m'a énormément manqué. Donc on va parler à cet homme, donc c'est un teinturier, il est là, il teinture à la base. Donc pour seulement 20 rubis, tu teins tes vêtements dans la couleur de ton choix, c'est incroyable. Donc c'est parti, teindre une tenue. Voilà, il te reste plus qu'à attendre en haut. J'y vais, vous inquiétez pas les gars. Et on va se mettre... Devinez la couleur. Bah, les gars, comme dans tout Zelda. Moi, si Link n'est pas vert, ça me pose un problème. Ça me pose un problème là. Eh, il est pas mal quand même. Franchement, dites la vérité. En vert, il est propre.
On peut faire jaune pipi si vous voulez, mais en vert, il est propre, on est d'accord les gars. On est bien d'accord, vous êtes tous là à demander vert. Donc c'est là, vous avez vu un peu tout ce qu'offre le jeu en possibilité. C'est quand même assez dingue, c'est quand même assez dingue. Et tout ça, on le découvre au fur et à mesure. J'ai appris aussi, à un moment, je courais, donc quand je faisais justement off. Et là, d'un coup, le ciel s'assombrit, les ennemis étaient beaucoup plus féroces. Et j'étais tombé sur un jour de l'année spécial, enfin c'est totalement incroyable. T'as la vraie tenue, on est d'accord, hein. Vert, hein. Good vert, vert B-boy, bon on est d'accord. Tout le monde veut du vert. Donc on est parti, mais que vois-je, tu n'as pas tous les matériaux nécessaires. Oh non. Oh non. Mais faut quoi pour du vert? Attends, bah je vais me mettre en full blanc. Ça fait genre un Power Ranger blanc, c'est stylé. Mais j'ai aucun... Bon, j'ai aucun matériau, tu sais quoi? Eh, mange, t'es mort. C'est quoi qui me manque? Oh, la tristesse. Oh, la tristesse. Avec deux S. Oh, je suis dégoûté. Oh, il m'a dégoûté, ce teinturier. Je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus dans cette boutique, c'est hors de question. Je préfère aller ailleurs. J'irai à Cocorico s'il le faut. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Silence. Pour une fois que j'arrive à te choper en live, gros, je peux te dire que je vais pas te lâcher ce soir, c'est la fête. Merci à toi, frérot, ça fait plaisir. Bah, tu vois, tu me chopes tous les soirs, si tu veux, à 19h ou 20h. Je suis en live, mon ami, ne t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Après, tu préfères peut-être regarder Cyril Hanouna, je ne sais pas. Bon, enfin bon, hein, ceci est un autre débat. Donc, on est parti, on va récupérer mon héritage. B-Boy, elle s'appelle la lune de sang la nuit. Effectivement, t'as bien raison, mon ami. C'est la lune de sang. Merci à toi pour ce petit complément, c'est toujours un plaisir. Ah, les gars, c'est dur de tout retenir, hein. C'est dur avec tous les jeux. Il me faut des champis enduro, d'accord, très bien, écoutez. On essaiera d'en trouver, c'est pas le problème. Ah, je suis un petit peu dégoûté. Ah, je pensais vraiment... J'avais attendu cette occasion, je pensais vraiment qu'on allait se teindre. Mais non, le destin en a voulu autrement. Ok, hey, les gars, moi je prends des raccourcis, ça va la comédie. Voilà. Ok, faut que j'aille où? Évidemment, faut que j'aille à la plus haute maison, de la plus haute tour, de la plus haute falaise, du plus haut village. Et ça, c'est un réel souci. Pour faire le vert, il faut des grenouilles. Ah! Il t'a carotte 20 rubis, non? Non, attendez, il m'a pas enculé mes rubis, quand même. Non, les gars, déconnez pas, parce que je l'ai fait 3 fois. Une fois pour tester, sans vouloir m'appliquer le truc. Et 2 fois, là. Ça serait vexant. C'est-à-dire, il m'a enculé 60 rubis, ce petit bâtard. Et il m'a même pas teint, en plus. Non, je pense pas. Regardez comme c'est beau. Bon, il y a 2 arbres, frère. Mais c'est beau. Ok, donc c'est parti, l'héritage de Zelda. Ah oui, alors concernant le télescope, on peut en discuter ou pas? Avec ça, tu vois quoi, frère? Gars, il voit l'intérieur du château d'Hyrule, avec. Il transperce les murs, le bonhomme. Laboratoire antique des limites. On est parti, c'est dedans. Je sais pas du tout ce qui m'attend. T'as le mec qui rentre comme s'il était à la maison depuis 30 ans, quoi. C'est parti, bonjour! Bienvenue au laboratoire antique des limites. Tu veux voir le chef? Oui. Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je te prierai de ne pas lui prendre trop de son temps. D'accord, c'est lui le chef. Il n'a pas une gueule de chef, hein. Bonjour! J'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit, je me trompe. Attends, t'es en train de m'appeler Cassos, là, ou quoi? Ça va partir en embrouille là-dedans tout de suite, maintenant. Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu trouver concernant civilisation antique. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Raconte-moi pas trop ta vie. Ah, ce c'est à ta ceinture. C'est là ta la tablette. Oh là, gros, tu bégayes. Mais oui, aucun doute possible, c'est la tablette Sheikah. Mais bien sûr, cela te semblera sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Bah alors, et quoi d'autre? C'est tout ce qu'il y a comme module? Étrange. Ah, il me manque un module. J'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Bah, tu vas me l'expliquer, Popeye. Oh, mais où sont mes manières? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Cannelle, comme la marque de cigarettes. Et toi? Tu t'appelles Link, c'est ça? Mais comment tu sais ça? Dame Impa m'a parlé de toi. Ah oh là là, c'est une bavarde, elle parle beaucoup. Hein. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait avec nous, avec la tablette Sheikah. Son nom serait Link et il serait l'espoir de notre monde. Celui qui s'éveillerait du sommeil de la Renaissance. Ah! Mais j'ai omis un détail de la plus haute importance. Hello B-Boy, tu es super drôle, mais c'est pas pour ça qu'on est amis, donc rendez-vous Gare du Nord qui est 12. Oh, vous êtes insupportable. Et on règle ça comme des bonhommes. Merci, disciple de Zeus. Écoute, c'est quoi, frérot? Je vois que t'insistes. Demain, je serai garde de Bercy. Je ferai des tractions à 9h du matin. Tu viens me trouver, on règle ça. On continue. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef, écoutez, chef. C'est la tablette Sheikah, la vraie?
Ah là là, quel étourdi, je ne t'ai même pas présenté notre chef. Ben non, mais je le cherche depuis tout à l'heure, justement. Le chef de ce laboratoire antique, c'est elle, là-bas, Dame Prua. C'est la plus expérimentée de notre petite équipe. Mais je suis allé lui parler. Ah, c'est foutu de ma gueule, Ouistiti. Oh, je te brûlerai tout ça, putain. En tant que chercheur, j'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de science, de la science. Il faut que tu saches une chose. Link, Dame Prua a l'air d'une petite fille comme ça, mais elle a 165 ans. Et elle a la chatte. Bon, on va arrêter les conneries. Peut-être que je ne devrais pas parler de ce qui me concerne pas, effectivement. Si tu veux en savoir plus, tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. Bonjour, Dame Prua. Eh, je suis grillé, zut alors. T'es surpris, pas vrai? Non, pas du tout. Bah alors, c'est moi le chef du laboratoire antique et pas Canel. Waouh. Ah, on rigole, ah bah on s'amuse. On s'amuse dans les laboratoires de Zelda. Hein. Oui, Stiti. Alors, Link, c'était comment le sommeil de la Renaissance? T'as fait de jolis rêves? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans. C'est fou quand même, hein. Pas une seule petite ride, tu m'étonnes. Et tu te sens comment depuis le réveil? Pas trop rouillé? Elle me pose tellement de questions. Gros, je suis Link, je parle pas depuis 8 jeux. C'est pas tout de suite que tu vas commencer à me poser des questions. Bah, si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop... J'en arrive pas à lire, les gars, je louche. Je commence à parler hébreu, là, je suis en sueur. Qu'est-ce qui va pas? T'as l'air tout bizarre. Attends, me dis pas que tu sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi, hein? Alors, on va être franc, on va pas la froisser, mais faut être franc. Aucun souvenir. Quoi? Waouh, le choc, c'est trop triste. Je m'en remettrai jamais. Oh, c'est terrible. Il y a 100 ans, le fléau Ganon, t'as mis une sacrée raclée. Alors on t'a amené au sanctuaire de Renaissance. Les gars, Lisa à ma place, c'est terrible, j'arrive pas à lire. J'ai beau une gorgée là parce que... Il y a 100 ans, le fléau Ganon, t'as mis une sacrée raclée. Ah, c'est pas gentil. Alors on t'a amené au sanctuaire de la Renaissance. Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil, le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, je te raconte pas. Allez, aucun souvenir, frérot. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique. Ou fait bien semblant, c'est noté. Calme-toi par contre. Ah, désolé, je prends tout le temps des notes, des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions. J'ai pas trop le choix. Je suis obligé de dire, demander si elle est une gamine. Petit nom pour toi, mais c'est énorme, Dark Shooter, frérot. Petit nom pour toi, tu fais toujours passer une bonne soirée, bon live. Allez, t'es une gamine? Ah, mais gamin toi-même. Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée. Ou un peu trop réussi, ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut, mais t'as pas intérêt à aller le lire. Donc en gros, elle te dit d'aller le lire. Laisse tomber, revenons plutôt à nos moutons. Te revoilà enfin 100 ans après. Et qui c'est qui va t'hérisser le terrible Ganon qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi. Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? Ii, c'est encore toi. Alors moi, je vais remettre sur ta tablette Sheikah ces modules de base manquants. C'est incroyable. C'est le bon plan. Ben oui, mais bien sûr que c'est le bon plan. Bonne réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Mais alors, qu'est-ce qui peut me manquer comme pouvoir? Tu vas me rendre un tout petit service. Ah, ça, c'est chiant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? Attends, tu fais 1m10, calme-toi, une gifle, t'es dans le coma pendant 8 ans. Tu te réveilles, tu commences à parler hébreu. Dis donc, tu croyais quand même pas que j'allais te réparer ta tablette gratuitement? Très bien, je vois, le sommeil de la Renaissance a rendu le sujet insolent. J'en prends bonne note. Passons. T'as vu le fourneau dehors? Et t'as vu qu'il était éteint? Dis, tu veux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique? Allez, sois pas vache. Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Tu mettras mon adorable pierre guide en marche et comme ça, je pourrai réactiver les modules de base. Et moi, je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. D'accord. Le chef du laboratoire a besoin de la pierre guide pour réparer. Ok, mais leur service. Il suffirait d'allumer le fourneau au laboratoire avec une flamme bleue. C'est à vous que revient la tâche d'en transporter une du fourneau antique du village jusqu'au fourneau du laboratoire. Vous êtes incroyablement incroyable. Ça, c'est beau, ça. C'est ça la cohésion que j'aime. L'esprit d'équipe. Bon, on prend des raccourcis, hein, maintenant. Ça va, la comédie, je connais. Tiens, et d'ailleurs, je crois même que... Regardez. Est-ce que par hasard, on va pas atterrir pile poil devant? C'est incroyable. Bon, on va voir si on peut allumer les petites comment on peut appeler ça? Petites statues, là, qu'on a vues, là. Ça peut être cool. Oh, vous avez vu ce qui est tombé? La météorite? On peut y aller, c'est un trésor, hein.
Ah, c'est un trésor à coup sûr. Enfin, ça m'est arrivé. Il est où? Il était tombé par là. Putain, on le voit pas dans la jumelle. Il faut savoir qu'on peut y aller, hein, vraiment. Hein. Ok, peut-être en avançant. Ouais, mais là, on va pas le chercher, ça va faire trop de détours. Ça va faire trop de détours, c'est terrible. Attendez, est-ce qu'on peut le voir? Là, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, il était tombé par là. Il était tombé par là. Écoutez, on le reverra peut-être plus tard. En fait, quand il y a une météorite qui tombe, c'est un trésor. Voilà. Je vous apprends peut-être rien. Hop, c'est bon. Allez, c'est allumé. Bon, je suppose que je peux allumer ou pas. Yes! Incroyable, mais vrai! Ah, ça par contre, c'est chiant. D'accord, donc je peux vraiment pas courir. Hop, calme-toi. Voilà. Ok, on va tout allumer. Parce que c'est cool, c'est beau. Et en plus, j'aime les femmes bleues. Je sais pas pour vous. Mais gros, écoute-le au lieu de faire le mec. S'il te parle de relais, c'est qu'il y a une raison. Mais attends, j'y suis là, la femme bleue. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous excitez pas. Je fais pas le mec. Je m'en bats littéralement les couilles de votre relais pour l'instant. On ira au relais, vous en faites pas. Laissez-moi tranquille. Ok, ah, d'accord. Link, fais pas des trucs comme ça. On ira au relais, y a pas de souci. Je vois que vous paniquez là. Respirez tranquillou. Déjà, j'allume un peu tout. Oh putain. Ah bah d'accord, elle est rentrée dans le rocher. Ah bah ça l'a saoulé. Hein. Hop, voilà, on va allumer. On va y aller, les gars. Respirez. Respirez, les mecs. On est là pour vivre une aventure. On va pas s'embrouiller pour si peu, putain. Là, j'allume. Tu vois pas que j'allume toutes les torches là? Qu'est-ce que vous me faites chier, putain? Peu de respect, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, on allume tout ça. Et d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'il voulait que je fasse à un relais. Mais c'est ça les relais, putain, c'est ce que tu allumes. Bah voilà, bah alors qu'est-ce que vous me faites chier? Pourquoi vous me cassez les couilles, les gars? Je les allume depuis tout à l'heure. Ça ouvre sa gueule pour rien, c'est terrible. Heureusement que je l'ai fait, bien sûr, je me doute que la torche va pas tenir. D'ailleurs, j'ai pas loupé de relais, là, à force de lire le chat et vos conneries. Non, je crois pas. Normalement, on est bon. On est très très bon. Est-ce que ça reste allumé? On peut les voir allumer encore, les autres relais? Bougez pas, normalement, d'ici, on devrait en voir un ou deux. Ouais, ouais, ça reste allumé. Impeccable, incroyable, mais vrai. Cet homme allume des relais plus vite. J'ai l'air con, on croirait qu'on est au JO, les gars, je suis pas bien. Ok, hop, c'est allumé. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-haut. Faut que j'aille là-haut et c'est long. C'est long, je vais essayer de pas en louper, même si je sais pas vraiment... Est-ce que si j'en loupe, ça va me porter préjudice? J'en ai strictement aucune idée. Voilà. Pour l'instant, on est pas mal, les gars, écoutez. Si tu te TP, l'étoile filante disparaît. D'accord. D'accord, donc c'est bien ce que je pensais. C'est pas... ça reste pas indéfiniment au même endroit. Ah, mais c'est sympa, hein. Vraiment, c'est fou. Hein. Faut savoir que si je tire une flèche en l'air, je peux aller chercher la récupérer. Et ça, c'est encore plus incroyable. C'est là où le jeu surprend, en fait. C'est pas que... Déjà, bon, les effets de lumière, ça me surprendra toujours dans le jeu. Parce qu'ils ont réussi à faire très fort. Et quand tu joues à ce jeu dans ton lit, clairement, t'es là en mode, les gars, c'est beau. C'est beau ce que vous avez fait. C'est les effets de lumière. Et puis, tout est bien pensé. C'est-à-dire que quand il pleut, tu ne peux pas escalader parce que ça glisse. Quand il fait froid, t'as froid. Quand il fait chaud, t'as chaud. Tu l'auras compris. C'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Écoutez-moi bien. Premier qui embête B-Boy, rendez-vous le garde du Nord, K12. Lui, il va embrouiller tout le monde, K12. Il passe sa vie au K12, frère. Merci frérot, merci disciple en tout cas. Coup de tête et coup de trapèze. Qui sont cons putain. Oh vous êtes cons hein. Le laboratoire antique des limites a été reconnu comme point de téléportation. Merci, c'est incroyable. Ok, on peut retourner voir la sœur. Donc elle va me mettre à jour ma tablette Sheikah. Je ne sais pas ce que ça va me rajouter comme possibilité, mais j'ai hâte de savoir. Bon matin Link, t'es trop fort, regarde par là. Regarde, regarde. La pierre guide s'est mise en marche. Enfin, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Ma petite pierre guide chérie. Mon adorable pierre guide, elle vit. Eh ben oui. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base. Il va falloir me faire un magnifique Whistiti. Je t'écoute. Oh non, t'es lourde. Allez, Whistiti. Wow! Super méga trop bien. Oh, encore une John Cena, Marina. Tu arrives à me faire aimer Zelda. Tu régales avec tes lives. Écoute, Zelda, c'est un très bon jeu. Donc fais-le avec moi, si tu ne peux pas te l'acheter, si tu n'as pas les moyens ou autre. On le fera ensemble, Marina. Toi et moi, main dans la main, Marina.
et on ira loin, on ira à l'autre bout du monde s'il faut, Marina. C'est parti, mon kiki. Merci, merci hein, bien évidemment pour vos dons, hein, infiniment, encore une fois. Déverrouillage de la pierre guide. Joue pas ma gueule pour rien. Il y a un décalage entre le live et le don. Je propose qu'on suce tous un peu de gambas. Merci, Ben. C'est pas grave. Ben, tu t'es énervé, soit un malentendu. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Allez, elle t'attend. Bon, bah, c'est parti. Je vais avoir de nouvelles fonctionnalités, les gars. Je bois un petit peu d'eau en attendant. Ah, on est sur de la tristesse, hein. Ok, donc les bases de la tablette Sheikah, c'est un appareil photo, c'est une encyclopédie et un album. Ah, on n'est pas bien. C'est comme si ton cadeau de Noël, c'était un dictionnaire. Tu tombes tout de suite de haut, hein. Initialisation de la phase de restauration. Allez, vas-y. Apporte-moi tout ça, bébé. Ah, putain, c'est beau. C'est incroyable, un appareil photo. On va pouvoir prendre en photo sur les prairies d'Hyrule. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un album. Un album, c'est incroyable, j'ai déjà des photos dedans. Une encyclopédie. C'est incroyable aussi. Restauration terminée. Et ben voilà, on est pas mal. Tu peux me payer une Switch STP? Morgane, mais non Morgane. Je ne peux pas te payer de Switch. Et tu sais pourquoi Morgane? Bah parce que si je dois la payer à toi, je dois la payer à tous mes viewers, je dois la payer à tous ceux qui regardent cette VOD. Tu vois Morgane, ça me ruinerait tout ça. T'imagines si vous êtes 100 000 à regarder la VOD plus à 100 000 Switch, c'est pas... Ah bah forcément déjà on donne un coup de boost dans les productions de Nintendo, mais enfin les gars, 100 000 x 300, on est vite fait sur... de tête sur du 30 millions. Attendez, non, 100 000 Switch x 300. Si, ça fait 30 millions d'euros ça, non? Je crois que ça fait 30 millions d'euros. C'est... Je ne les ai pas, je t'avouerai. Putain, 100 000 Switch, ça me paraît tellement peu. Mais de dire que ça vaut 30 millions d'euros, c'est tendu quand même. Hein. Ah, peut-être que Nintendo fera une petite ristourne d'un euro par Switch. Boum! Alors voyons. Appareil photo, ok. Encyclopédie, album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Ah bah, il était temps. Tu peux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil et surtout, montre-moi la photo après. Ça serait drôle. Bon, je vais la prendre en photo, l'autre, parce qu'elle me casse les couilles. Tiens, attends, je peux pas zoomer là? Attends. Tu veux une photo? Ah, très bien. Pour l'instant, ce n'est que déception, cette photo. Voilà, je vais lui montrer. Le pire photographe ever. Le mec, il a dormi 100 ans, il se réveille, il sait pas prendre de photo. Ok, attendez, autoportrait, comment on fait? On fait comme ça. Le gros bâtard. Attendez, je suis sûr. Il y a moyen de faire un petit truc, bougez pas. Attendez, bougez pas. Oh, on est drôle. Oh, qu'est-ce qu'on est drôle, qu'est-ce qu'on rigole. Ok, autoportrait. Attendez, déjà, faut être de ce sens-là. C'est pas évident. On travaille le sujet. Il y a un doigt qui sort de sa coupe de veuche. On n'est pas bien. Yo, B-Boy, merci pour tes let's play sur Horizon, tu me régales. Et une petite dédie à la mycose. Ah d'accord, je vois que ça fait des dédicaces. Ça fait 30 millions d'euros, ouais, on est d'accord. Je vois que ça lâche des petites dédicaces aux mycoses, ça fait plaisir. Ok. Attends, on va faire juste le petit doigt qui sort. Où est Link? Où est passé Link? Vous avez 5 minutes, les gars. On sauvegarde. Allez, je vais lui montrer sa photo, là, parce qu'elle m'a cassé les couilles. Allez. Oui, Stiti. Aïe, tu as pris une photo avec moi. J'espère pour toi, je suis joli. J'en ai pris, évidemment. J'annonce, je vais pourrir le live avec des dons de crevards à 1€. Oh non, Ben, sois gentil. Non, pas trop, Ben. C'est gentil de ta part, mais fais-en pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est qui, ce canon? C'est un œil. L'autre, il voit son œil, il kiffe. Quoi, c'est moi? Désolé, ça m'a un peu surpris. D'accord, très bien. Je vois que tu es arrogante, petite. Il y a d'autres photos dans ton album. Tu as vu, c'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors, tu devais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein? Ah, j'oubliais un tout petit détail, un poil important. Tu as perdu la mémoire. Eh, mais si ça se trouve, ces photos pourraient justifier... Justement, pardon, t'aider à la retrouver, ta mémoire. Les gars, je n'arrive pas à lire. Je suis désolé, quand je suis fatigué, je n'arrive pas à lire. On arrête tout, on coupe tout. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander.
une fois que tu auras rendu visite à un pas, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourras me les apporter à moi ou à Pharas au laboratoire. On te donnera des trucs sympas. D'accord. J'ai bien... je dois bien avoir un peu de matos antique. Bougez pas, je vais voir si je peux lui en montrer. Attends, parce que lui, il me racontait sa vie, il m'a déjà saoulé. Toi, t'as une tête... Ok, des trucs sympas, c'est qui Pharas? Ok. Je vais voir si j'ai pas des petits trucs... J'améliore les modules de ta tablette. Ben oui. Mais je dois en avoir, non? J'ai besoin de 3 vis antiques pour améliorer le détecteur Shika. 3 arbres antiques pour améliorer les bombes à distance. Ok. 3 cœurs antiques pour améliorer... Mais je crois que j'en ai tout ça. Si t'as compris, bouge-toi et ramène-moi des matériaux. Eh ben, c'est bon, non? Mes avis... Ok. Si tu apportes des matériaux, j'ai ta meilleure volonté. Voilà des matériaux. Impeccable, attendez. Je vais pouvoir améliorer... Ok. Ok, allons-y. Mais me raconte pas ta vie, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Déjà, les bombes, ça serait pas mal. J'aurais besoin de 3 arbres, c'est parti. Est-ce que je les ai? Ah putain, j'ai pas les matériaux nécessaires. Je sais que j'en ai, mais je sais pas combien j'en ai. Ok, me raconte pas ta vie parce que j'ai essayé de t'arnaquer. Et le cinétis, peut-être? 3 cœurs. On essaye, hein, les gars. Ah, je les ai pas non plus. C'est terrible. Ah, c'est un échec. À quand une nouvelle vidéo avec Miss? Ah bah, ça viendra quand ça viendra. Continue, t'es un génie. Ça viendra quand ça viendra, frérot. Merci en tout cas, gentil poney. Ok, bon, écoutez, on va sortir. Déployer les pouvoirs, ça ne m'intéresse pas, cette quête. Nul à chier, elle m'a déçu. On va partir plutôt sur une quête principale. Et on va rester sur l'héritage de Zelda. Sinon, j'ai les créatures divines aussi à faire. Donc, les donjons. Ok, on va retourner voir un pas. On va retourner voir un pas. Par contre, ça va me demander bien plus qu'un pas de mon côté. Ah! Qu'est-ce qu'on rigole. C'est parti. On va retourner à ma jument avec Epopo. Donc, on va se TP. On va récupérer Epona qui était sur la route. Elle est là, elle m'attend, frère. Elle m'attend toujours sur la route. Oups, je me réponds. D'accord, je vois que dans le chat, level down, ça pète littéralement un câble. Et qu'est-ce que ça dit dans le chat? Bonne nuit la famille, tu régales avec tes lives, B-Boy. Bah écoute, merci à toi, frérot. J'ai honte pour ta blague. J'ai sorti une blague, sérieux? Je m'en rends même pas compte, je suis tellement drôle au quotidien. C'était quoi ma blague? C'est quoi ma blague? Ah, la blague d'un pas! Ah bah oui, non mais attendez les gars, ça va aussi. Ça va les gars, un peu d'humour, bordel! Allez, c'est parti, on va retrouver ma jument. Ma belle jument, quelle bonne ma jument. Lui, il me regarde nager, comme on est bien ici, bah oui. Epona, oh tu es sublime. Oh tu es sublime! Allez, on va voir un pas. Direction le village Cocorico. Et j'ai même envie de vous dire, on va y aller de ce pas, n'est-ce pas? Oh là 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 là, c'est incroyable! Oh je m'arrête pas! Oh on m'appelle le clasheur fou! On m'appelle le rappeur. Le rappeur d'Hyrule. On m'appelle la plume dans le milieu d'ailleurs. Ok, c'est parti. Bon, j'avais épuisé Epona, la pauvre, elle était au fond de sa vie. On va y aller mollo avec elle. On va tenter de récupérer à chaque fois un... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Ah, les trucs qu'ont les cow-boys, les gars! Oh là, pardon, calme-toi, Epona. Comment ça s'appelle? Ah, c'est terrible! Les mecs, les trucs de cow-boys, vous savez qu'on met au pied, là, la roulette, là. Dans lui... Oh là là. Oh, faut m'aider tout de suite. Faut m'aider, les gars, ou je vais tout brûler sur le live. Oh, putain. Par contre, Epona, quand elle se percute un mur, là, gros... écrit jusqu'à la mort, c'est terrible. L'éperon! L'éperon, bien joué à vous! Oh là là! Ah oui, éperon. Éperon, ah, ça rime avec étron, on n'est pas bien. L'éperon, le célèbre. Merci, putain. Vous êtes incroyables, vous réagissez vite. Alors, par contre, il y en a... Eh, les gars, je vous ai cramé, hein. Même vous, vous voyez pas le bordel. Vous avez juste répété ce qui s'est dit. Les gars, eh, faites pas semblant. Toi, tu dégages. A chaque fois, je suis la même chèvre au même endroit. Elle a pas compris. L'éperon. Bah voilà. Ça vaut cher en plus, hein. T'imagines... Putain, ça serait trop bien qu'on aille encore à l'école avec des éperons. Gros, sans aucune pression. T'es là, t'as des roulettes à tes pieds, tout va bien. Ok, faut que j'arrête d'épuiser Epona parce que... En plus, elle est quand même suffisamment rapide. On va pas faire les Américains. Putain, le village Cocorico, on peut pas se taper, c'est chiant, hein. Très très chiant. Cette pierre elle me stresse, je peux pas la casser non plus, j'ai pas de masse. Ok, on est bientôt arrivé. Je crois qu'Epona, tu vas peut-être. Stop, Epona. Arrête-toi ici. Oh! Oh bah je pars en salto avant. Écoutez, on est là pour le spectacle. Bienvenue au village où ça rame. Où tu as des baisses de FPS. Oh là là, c'est terrible. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Oh bah les gars, là tout s'arrête. Hein. La vie s'arrête. Oh un escargot!
D'accord, je prends. Je peux casser. Attendez, je peux casser ça. Parce que c'est la première fois que je vois ce type d'arbre. Yes. Impeccable, ça n'a rien donné, c'est un plaisir. Par contre, il y a des carottes. Oh là, il va m'embrouiller le vieux. Tiens. Tiens donc. Mais qu'est-ce que... Faut parler, monsieur. Ton visage. Bah quoi, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, je sais. C'est parce que tu ressembles à un gamin qui a essayé de nous sauver autrefois au temps du grand fléau. Eh oui, c'est moi. J'ai failli, mes amis. Qu'est-ce que tu dis? Tu prétends que c'est toi, le brave chevalier d'il y a 100 ans... Oh là, il a un accent du Nord, le bordel. Elle est bien bonne, celle-là. Mais ça prend pas, gamin. Si c'était vraiment toi, hein, t'aurais la lame légendaire, l'épée purificatrice, comme on l'appelle. Ce chevalier légendaire, tu vois. On dit que pour affronter le fléau... Oh là, c'est terrible, en plus, il parle comme ça. On n'est pas bien, les gars. Hein. Et Yassini, Gigi est resté à l'étable, là. Il est pas bien, ouais, Gigi, gros... Il va fumer tout le foin et se mettre en PLS. Ah, le pauvre Gigi, on l'a laissé à l'étable. En plus, on va plus jamais remonter dessus, c'est terrible pour lui. Qu'il a sculpté son corps en le consommant que de la carotte tempo. Mais qu'est-ce qu'il... Il m'a usé. Rien que son accent, je te brûlerais son champ, quoi. Par contre, il m'a filé une carotte. Ouais, sur le coup, est-ce qu'on peut dire que... il m'a pas carotte. Ah ! Ok, c'est parti, les gars. On va pouvoir y aller. Ah, mais je suis extrêmement drôle aujourd'hui. Oh, mais putain, vous allez tous me faire... Vous avez décidé de me faire chier un par un, là, dès que je marche sur vos... Attends, il veut m'embrouiller, là? Ma vie entière, j'ai pris soin de ces pruniers. Ils font presque partie de moi. Le jour où ils se flétriront pour retourner à la terre, je connaîtrai le même sort, j'en suis convaincu. Oh, le lourd. Voilà pourquoi j'ai toujours veillé sur eux, du mieux que je pouvais. Nous avons évolué ensemble, et c'est aussi la raison pour laquelle, tant que je serai là, j'interdirai à quiconque de s'en approcher. Toi, t'es lourd, hein. Toi, t'es vraiment lourd. Ok, un pas, tu es où? Je ne te sens pas loin de moi. Donc, on va lui montrer les photos qu'on avait fait avec Princesse Zelda, n'est-ce pas? J'aimerais bien retrouver Princesse Zelda. Oh, elle est bonne en plus, hein. Bien beauf, le mec bien beauf qui joue le non-respect de Gigi. Bah, si, ça restera mon cheval dans l'âme, les amis. Mon cheval pour la vie. M de guerre, le gars, il va te sortir rendez-vous, garde du Nord qui est 12. Bah, les gars, je serais même pas étonné. Allez, un pas! Dis-moi tout! Oh? J'avais entendu dire que Prua t'avait mené la vie dure, mais tu n'as pas l'air si mal en point. Non, ça va. L'héritage de Zelda terminé, c'est beau. Voyons voir, montre-moi ça! Tiens, ma sœur. Oh, mais ce sont des photos que la princesse Zelda a prises il y a 100 ans. Et voilà Ocarina of Time il y a 100 ans, avec les graphismes d'aujourd'hui. C'est beau, hein? On n'a rien vu. Impeccable. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire, les amis. Voilà ce qu'on va faire. Je dois aller... Alors là, c'est en face du château. On dirait le château de Disney, le bordel. Sinon, il y a là, entre les deux crevasses, lequel serait le plus simple? Oh non, mais lui, gros, il t'emmène au Bangladesh. Faut que j'aille près du château. Ok, on va aller près du château, les amis, c'est pas un problème. Mets du miel dans ton thé, fais gaffe à ta santé, frérot. C'est pas que je m'inquiète pour toi, mais tu nous as manqué cette semaine. Eh oui, j'en mets du miel dans le thé. C'est bon, le miel. La vie n'est qu'un long miel, tranquille. Ok, on va pouvoir se TP. Bon, bah, direction devant le château. Ouais, devant le château, je vais prendre cher. Hein. Ah, ça, c'est les jardins. Oh, je vais prendre cher. Oh, je vais prendre cher. Alors là, les gars, faut savoir que pour avoir cette tour, j'en ai chié. Parce que c'est rempli de gardiens. Néanmoins, on est devant le château, en tout cas pas très loin. Plus on se rapproche du château, plus il est surveillé, forcément. Par contre, dans les photos que j'ai vues, tout était pas très loin du château. Donc, on va tenter. On va en tenter une. On m'a dit de visiter l'endroit. Je sais pas comment on va faire. Il y a Marcosaur, 30 euros. Ah, c'est incroyable. Binous Nocturne pour ton live au calamar. Au passage, tes blagues sur un pas sont très sympas. Enfin, voilà. Allez, bisous sur tes fesses. Merci à toi. Oh, les gars, vous craquez le budget, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu votre paye? On reçoit pas la paye aussi tard. Donc, regardez bien. Regardez bien. Là, c'est le château d'Hyrule. C'est beau, hein. Là, il y a la petite forêt. Ça ressemble à la forêt des photos, non? Là, il y a une petite forêt.
Donc ça, c'est le château d'Hyrule. Vous croyez que c'est carrément derrière? Où ça pouvait être? Ok, attendez, bougez pas, bougez pas. Ah d'accord, je suis là, je fais des photos à tout moment. Ok, où ça peut être? C'est cette photo, moi, qui me... Je crois que c'est à la forêt. Je crois que c'est là, non? Je crois que c'est là parce qu'on sera pile poil en face de ce château. Vous en pensez quoi, les gars? Franchement, vous pensez que c'est là? B-Boy n'est pas prêt pour les souvenirs. Ok. Je saigne des oreilles à chaque fois que tu prononces un pas. Bah, vous voulez que je dise impa? Je l'appelle comme vous voulez, les gars. Ah, tiens, ici, il y a... Ah, mais il est méga chaud, celui-là. Cette tour, j'ai essayé de la faire en off. On est d'accord, hein? Je suis au bon endroit, normalement. On essaye ou pas? On y va ou pas? Ouais, vas-y. Allez, go. On va y aller. Normalement, il y a des gardiens. Regardez. Tu vas avoir des petits lasers, gros. Ça commence à chicote. Oh, il est pas loin, ce bâtard. Oh, putain. Vous avez vu les petites explosions, là? Oh, on apprécie. Hein. Et le pire, c'est que les gardiens te suivent jusqu'à la mort, mec. T'es pas bien. Tu commences à voir flou. Ok, c'est bon. On est arrivé sain et sauf. Ah, d'accord. Ok. Le mec, il sort de sol. Tout se passe bien, ici. Bon. Je suppose que c'est pas très loin. Donc, c'est parti. Ah, ça fait du bien d'avoir de l'endurance en plus. Le château, on le voit d'ici. Attendez, mais c'est pas là, hein. C'est pas là, hein. Ça y ressemble, mais je suis... Oh, putain, mais sortez pas de sol comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça y ressemble, mais on dirait pas. C'est très bizarre. Ok, tiens, on va ramasser ça. Oh là, gros radis maxi, incroyable. Incroyable, mais vrai, il ramasse des radis, Alors... Est-ce que c'est... Attends, ah, c'est peut-être là-haut, non? Attendez, attendez, attendez. Là, il y a des anciennes ruines. C'est peut-être là-haut. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ouais, regardez le château, on voit pas le trou. Parce que sur la photo... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Genre, sur cette photo, on voit un trou au sommet. Et là, on ne voit pas. Tiens, on le voit, mais pas très bien. Donc, c'est... Il faut que j'arrive à m'aligner sur le côté. En tout cas, sacré gueule, le château, là. C'est un vrai plaisir. On est d'accord, hein, je dis pas n'importe quoi, les mecs. Hein, c'est peut-être là, non? Je suis sur la bonne voie ou pas, les gars? C'est là que je l'ai fait, moi. C'est là que t'as fait quoi? Là, je dois prendre en photo? Attends, frérot. On est là, on est tous perdus dans l'histoire. Bougez pas, bougez pas. Attendez, bougez pas. Votre album contient 12 photos. Il vous reste 12 endroits à trouver. Quoi? C'est incroyable! Simpa marche sur le côté, peut-on dire qu'elle fait un pas chassé? Oh putain, les lourds, bisous. Oui, on peut dire ça. Si vous vous rendez représenté sur les photos, vous trouverez peut-être les souvenirs. Mais comment je trouve le souvenir, en fait? Je prends la photo. Tiens, on va prendre... Eh, photo, les gars. Attendez, photo, c'est Bibi qui régale. Attendez, hop, je ne sais pas prendre de photo, c'est incroyable. L'autre qui va tout prix me bouffer le cul. Ok. Et je crois, attendez, bougez pas. Oh, mais je... oh là là, mais le gars, il prend 12 de screen. Non, c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit, messieurs. Tu dois aller à l'image et te rappeler. Bah oui, bah attendez, les gars, approche-toi du château. Attendez, vous voulez ma mort, là. Je vais me faire chier dessus, vous le savez. C'est par là, vous croyez? On va tenter ce chemin. On va tenter ce chemin. Je suis pas en confiance. Je... Oh, il y a un gardien, mais les mecs... Ouais, c'est là en plus, je crois. Putain, ouais. Putain, je crois que c'est là en plus. Vous avez raison. Attendez. De l'herbe d'Hyrule. Je prends de l'herbe d'Hyrule. Oui, c'est là. C'est là, c'est là. Oh, je suis entouré de gardiens. Ah, mais non. Ah, mais non. Hé. Ah, mais non. On va se souvenir. Yes. Ok. Et 2-1. Et comme ça, on va pouvoir retourner au village Cocorico. Évidemment, je crois que j'ai laissé Epona là-haut. Putain, j'en ai marre de ce jeu. Ok. Là, il se souvient, là, parce que... D'accord. Waouh. Je me souviens. Je me souviens qu'il faisait beau. Oh! Mais il pleut! C'est le mec qui a raconté. Oh là, c'est incroyable, une cinématique. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice.
toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté. C'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. D'accord, c'est très sympa ces petits souvenirs. Des photos souvenirs, un de fait les gars. Il m'en reste donc 11. Allez faire votre rapport à Impa au village Cocorico. Comment vous l'appelez? Impa. D'accord, ok, le gardien qui m'accueille. Petit coup de piano, ça fait plaisir. Donc bougez pas. Déjà je vais ramasser tout ça. Je vais ramasser tout ça parce que c'est incroyable, il y a pas mal de choses. Voilà. Et ensuite, on doit retourner. Oh le cancer, je peux pas me TP sur ma petite Epona là, c'est terrible. On va se TP par ici, on va récupérer Epona au relais, on va essayer de la rappeler. Zelda est juste magnifique, c'est vrai. Par contre, les voix françaises, elles sont pas dégueu. Elles sont pas dégueu, mais ça fait très bizarre quand même. Est-ce que tu feras un let's play sur Uncharted The Lost Legacy? Oui, évidemment. On a un nouveau don. Si un pas marche avec des poids sur elle, on peut dire qu'elle avance d'un pas lourd. Oh putain, ils vont tous s'y mettre. Merci à toi, Darky. Merci les frérots. Merci les frérots et la sœurotte, on n'oublie pas Marina, tout ça, on vous ouvre. J'oublie personne. Et vous êtes 1600 à cette heure-là, il faut savoir qu'il est minuit et demi, un grand merci à vous tous, ça fait plaisir. Ça fait déjà une heure que nous sommes en live tous ensemble, et moi je prends mon pied avec vous. C'est quand même le principal. Bon, c'est parti, on va discuter avec notre ami, on va discuter avec notre frérot, on va essayer de récupérer Epona. Et on est reparti pour le village Cocorico. Yo, l'endroit idéal de s'occuper de mon tour, ok. J'aimerais emmener un cheval. Je veux Epona, moi. Elle est sortie. Genre, elle est sortie. Oui, je veux. Ça devrait pas prendre le temps. Bon, bah voilà, le temps qu'elle revienne, les gars. Elle est là, c'est bon? Désolé de t'avoir fait attendre et merci d'avoir eu recours à nos services. Si tu empruntes un chemin lorsque tu voyages à cheval, ta monture le suit sans même y faire attention. D'accord. Ok. Alors, on est parti. Epona. On est reparti, tu... Oh putain, Epona, fais pas des trucs comme ça. C'est terrible de confondre les touches. En fait, faut savoir que sur chez Nintendo, c'est inversé, en fait. Le croix de Xbox et le A de... Non, le A de Xbox et la croix de PlayStation, c'est le bouton annulé sur Nintendo. Et c'est très stressant. Voilà, je tenais à vous le dire. Écoutez, on en a tous strictement rien à foutre à cette heure-ci. Mais quand même, je trouve que c'est des trucs importants, c'est tabou. Et on en parle malheureusement pas assez. Allez, on est parti. Epona, fais-moi rêver, bébé. Emmène-moi au village Cocorico. Faut aller tout droit. Oh là là, la vitesse de pointe, elle est incroyable. Il est incroyable, ce cheval, les amis. Je dis oui. Quel beau cheval. Allez, continue, t'arrête pas, surtout. Voilà, ça, c'est beau, ça. Vas-y, bébé. On s'arrête pas, les gars. Au Japon, c'est pareil. De quoi? Epona? Au Japon, elle court vite? Je sais pas. Je suis pas allé au Japon. C'est quoi? De quoi qui est pareil au Japon? Les voix? En haut à droite du village Cocorico, il y a un sanctuaire. Ben oui, mais... Attendez.
Pourquoi vous voulez que je fasse... Ah oui, en haut à droite. Ok, vous savez quoi, on va le faire. On va le faire. Pas de problème. Je vous écoute. Je vous écoute, messire. Et en plus, je crois que je l'avais marqué. Alors, on va descendre. Voilà, on descend toujours avec du style. Attendez, je crois que je l'avais marqué en plus. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Est-ce que tu parles de... Non, je l'avais pas du tout marqué. Voilà, je vais fermer ma gueule. En haut à droite du village. Alors, je regarde de ce pas. Yes! Ici, bien joué à toi! Bien joué à toi, jeune homme, on ira le faire. Tiens, on va aller le faire d'ailleurs de ce pas. Histoire de varier un petit peu les plaisirs. B-Boy, je te suis depuis ta première vidéo sur Dead Rising 2. Et tu es mon youtubeur préféré, tu feras let's play sur Nioh. Alors non, mon ami, je ne ferai pas de let's play sur Nioh. Mais merci à toi de me suivre depuis aussi longtemps. Tu arrives à résister. Regardez le coq, comment il fait le fier, là, frère. T'es sérieux, quoi? Bouge de là, vas-y, casse-toi. Fais pas le fier comme ça avec moi. Il est fou, quoi, celui-là. Ok, et ben c'est parti. Le sanctuaire de Taro. On va essayer de le faire. Enfin, on va essayer de le faire. On va le faire. Combien de temps que tu live? Ça fait une heure. Ça fait une heure, les gars, qu'on est en live. B-Boy, tu sais pas faire de cheval? Bah non, ça a jamais été ma spécialité. Hein. Gros, t'as cru que j'étais là. Alexandra Lederman, ça va aussi. Hein, on se calme. Hein. À côté du sanctuaire, il y a une fontaine de grandes fées. Les gars, attendez, calmez-vous. On fait ça. Après, vous me parlez du sanctuaire. On va faire les choses en ordre. Va voir le peintre pour les souvenirs. Le quoi? Comment ça, quel peintre? Il y a un peintre? Dans le village Cocorico, vous voulez dire? D'accord, on va le faire, on va le faire. Bougez pas. Les gars, chaque chose en son temps. Fais ce temple, s'il vous plaît. T'as pas respecté le poulet? Ouais, mais il me racontait sa vie. Oh là, c'est obscur ici. On dirait le salon de Fufu, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? D'accord, vous m'envoyez des petits sabres comme ça. Oh là, ça sent la bagarre, ça, non? C'est quoi l'embrouille? Ah! Ok. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie. Ah! Ok. Tiens déjà, hey, ça c'est ma brèche. T'en fais ce que tu veux, frérot. Ok. Bon, il m'a... Écoutez, il m'attaque pas. Je ne comprends pas. Dans ta gueule. Eh, mec, attaque-moi, non? Mais gros, il m'attaque pas? Mec, t'es bourré? Il est bourré? C'est un tuto. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, mais là, par avoir l'air d'un connard. Gros, t'es bourré ou quoi? Regardez! J'ai l'air d'un gros connard! Mais attaque-moi! Ah, c'est bon! Bah putain! Il était pas bien! Allez, arrache-moi ça! Une bonne chose de faite, j'en suis sûr que dans pas longtemps, Eponel va finir en barquet de Findus. Y'a moyen! Esquive les attaques d'un soir hier cette fois. D'accord. On va attaquer. Mais attaque! Ben voilà! Ok, d'accord. Bon, après il va me dire d'esquiver sur le côté gauche, d'esquiver en l'air peut-être. B-Boy, tu feras The Last of Us 2, bien évidemment, les gars, bien évidemment. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va t'atteindre pour le repousser. D'accord. D'accord. Ok, c'est bon. Ça y est. Accumule de l'énergie et relâche pour effectuer une attaque chargée. C'est vrai que ça, je l'ai encore jamais fait d'ailleurs en live. Je le faisais en off, mais je l'ai jamais fait en live. Donc pour cela, rien de plus simple. Il suffit de faire ça. Et voilà. Je me suis fait enculer en même temps. Oh! Oh, ce glaive incroyable! Oh, vice antique, tout ce qu'il me faut! Oh, faut détruire les gardiens. Ah bah oui, les gars, c'est là où ça te donne de l'antique. Tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner. Va au fond de la pièce, petit. Oui, j'ai rajouté petit, écoutez, j'avais envie. Ouah, c'est incroyable, et en plus, il y a un coffre. Je ne peux pas ramasser le glaive, et ça, c'est encore plus incroyable. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va lâcher le glaive. Pas comme ça. Hop, voilà, je suis totalement perdu, c'est un plaisir. Les menus sont oui. Ok,
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lâcher une fourche. C'est vrai que je suis pas fourchier à la base. Ça me paraît pas mal de lâcher ça, non? J'ai une petite lance Zora, je la trouve belle, on va la garder. Ok, on va lâcher ça. On va lâcher ça. Hop, parce que cette épée est magnifique. J'adore tout ce qui est équipement de gardien, les gars, je trouve ça vraiment beau. Je tenais à vous le dire, vous en avez rien à foutre, mais bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Opale brute, ça c'est bon pour la revente, c'est bon pour le business. Ah, ça fait tourner les affaires. Allez, donne-moi ce qu'il faut. Bon, on a fini ce temple. Maintenant, on va faire les choses en ordre. Vous m'avez parlé d'une fontaine de fées. Eh ben écoutez, va au fond de la pièce. J'ai un cookie pour toi, mais c'est limite ça. Go surfer sur ton bouclier en pente. Oh, bah les gars, attends, non mais les gars, vous me demandez des trucs totalement illogiques. Ok. Au nom de la déesse, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi. À quand la prochaine vidéo avec Sophie? Ah, oh, mais j'ai déjà répondu tout à l'heure. Pump Patroller. J'ai répondu tout à l'heure. Au fait, dis-lui bonjour de la part de tous les viewers. Je lui dis souvent, hein, qui attendent son retour avec impatience. Et c'est à combien de John Cena? John Cena, c'est à partir de 20 euros, mon ami. À partir de 20 euros, tu libères la bête. Tu libères la bête. Et après, ça va loin. Ça va loin, évidemment. Allez, on est parti, les gars. On continue notre folle aventure. Toujours le nez bouché, c'est un plaisir. J'ai en profité pour me moucher dans ce chargement incroyable. Eh ben voilà, Marina a répondu 20 euros parce que jamais 203 et aussi parce qu'une amie Aurélie veut te dire qu'elle t'adore. Plein de bisous. Elle est adorable Aurélie. Moi aussi j'adore Aurélie. Elle est mignonne comme tout. Alors vous m'avez parlé d'un... Merci hein, Marina, merci. Hein. Merci à vous tous d'ailleurs hein, au passage. On ne cessera de le dire. C'est vrai que des fois ça, il m'arrive de louper des dons de 1 euro ou 2 quand je suis pris, surtout dans les jeux comme R6. Ah putain. Ah oui, mais je l'avais déjà marqué. Mais ma pensée est quand même pour vous, vous inquiétez pas. Parce que bah, si j'arrive à vivre en fin de mois, c'est grâce à vous quand même. Enfin, en fin de mois comme en début de mois. Hein, si j'arrive à vivre tout court de cette passion incroyable qui est YouTube. D'accord, bon. Vous m'avez parlé d'une fontaine à fées. Ça m'intéresse beaucoup, votre petit truc là. Je sais pas ce que ça peut rapporter. T'as raté un coffre. C'est possible. Ça arrive, hein, sur un malentendu. Ok. On va passer par ici, tiens, j'ai bien envie de passer par ici. Je vais débarquer dans le village, personne sera prêt, en hélico. Voilà, on est passé par ici. Vous m'avez parlé d'une fontaine à fées, je la trouve pas. Elle doit être là-bas, hein, toute logique, non? Ok, bah c'est pas grave, on va voir un pas. Elle est dans la forêt, d'accord. On va faire les choses en ordre, hein, les gars, on se précipite pas trop, s'il vous plaît. On va faire... Alors, j'ai des nouveaux modérateurs, mais ça, j'en parlerai demain. Des modératrices, plus précisément, j'en ai pris 4 et il y en aura des nouveaux qui vont arriver, histoire que ce soit bien plus agréable pour vous. Donc, je les remercie énormément aussi. Je remercie non seulement les viewers, mais il faut penser aux modérateurs, que ce soit sur Level Down avec Fada Orom, ou que ce soit sur YouTube avec Laura, Fada, Boob Sauvage. J'ai oublié les pseudos, j'en suis désolé, mesdemoiselles, mais vous inquiétez pas. Vous aurez votre moment de gloire dans un de mes lives, c'est pas le problème. Ok. Un pas, dis-moi tout. Hey. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remettre ceci tout de suite avant que je n'oublie. Oh ! Oh merci ! Oh elle est incroyable ! Portée par la famille royale ! Ces vêtements t'appartenaient, c'est la princesse qui me les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu as été reconnu comme l'un des prodiges. Prends-en grand soin. Oh, oh trop bien, je suis trop content. Si Impa se fout de l'hélium dans le huc en marchant, est-ce qu'on peut dire qu'elle marche d'un pas léger? Putain, Darky, écoute, mec, je sais qu'il est tard. T'es peut-être pas en condition optimale. Je sais que c'est dur. Oh putain, je suis trop content. Elle est trop stylée. Putain. Maintenant, faut tout que je mette soit en bleu, soit en vert. Oh, je suis tellement content. Hey, je suis tellement content. J'ai acheté une tenue contre le froid, anti-froid. Elle est pas mal, le doublet. Je pouvais l'avoir gratuit hein, en faisant la recette. Souvenez-vous, piment, mes couilles au bord de l'eau. Mais j'ai préféré l'acheter, ça coûtait 100 rubis. Ah, oh, je suis super content. Voilà. Bah, on a récupéré la tenue des prodiges, c'est plutôt cool.
c'est plutôt cool. Putain, Biba, il se fait un petit harem. Ah bah les gars, ça a jamais changé, hein. Ça, vous savez que sur ça, j'ai toujours été un peu friand, hein. D'ailleurs, oubliez pas que j'ai un Snapchat. Alors, on est parti, les gars. On est parti. J'ai pas mal de flèches, hein. J'ai des flèches électriques que j'avais récupérées je ne sais où. Et flèches explosives et 4 flèches classiques. Qu'est-ce qu'on devait faire? Donc c'est parti. On va voir la mission. Des photos, des souvenirs. Bon, ça vous l'aurez compris, il faudra faire les 11 endroits. Par contre, je pense qu'on va attaquer ça. Les gars, c'est parti. On va tenter un donjon. Je dis oui, les amis. Sous vos yeux ébahis. Sans vos yeux ébahis. Et non, ébahis. On va faire un donjon. Lequel faire? Putain, il m'en faut un pas trop chaud. Oh là, je m'y prends trop tôt. Hein. Ça va être terrible. Oh, vous savez quoi? On va faire celui-ci. Les gars, on est parti pour un donjon. J'espère que vous êtes chaud. Moi, je suis motivé à bloc. Hein. J'ai la dalle de ouf. Alors, attendez. Ok, c'est par ici. Là, on va faire notre premier donjon. Fais les auras. Va voir le peintre. Ah oui, le peintre. L'a fait. Ben, les gars, vous me demandez tout en même temps. Gros, je sais pas si tu le sais, mais tu peux jeter tes armes sur tes ennemis. Cela te permet aussi de te débarrasser des armes. Oui, je sais, mais ça fait très peu de dégâts. Ok, bougez pas, les gars. C'est très important, là. Faut faire les choses en ordre. Déjà, je vais raqueter le sanctuaire, rien à foutre. Voilà, ça, on avait déjà fait cette quête. Vous m'avez demandé, d'aller voir le peintre. Où est le peintre? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il vend? Au bonheur des fans. Il est où, le peintre, les gars? Grâce à la fée, tu peux augmenter la défense de tes tenues. Sérieux? Bah oui, mais dites-moi où c'est, au lieu de me dire grâce à la fée, tu peux augmenter mon trou de balle. Malgré tout le respect que j'ai pour mon trou de balle. Tiens, on va passer par ici. Il y a peut-être le peintre là-dedans. Près du feu. D'accord. Alors, si tu as une question, savoir mon Twitter ou autre, si tu veux savoir mon Snapchat, tu fais point d'interrogation Snapchat et le bot va te répondre dans le chat. Faut le faire qu'une fois. Je l'ai fait à ta place pour te montrer. Ok. Près du feu, tu m'as dit. Ah, qu'est-ce que c'est? Une luciole. Je la veux. Yes. Une luciole encore. Je la veux. Yes. Des lucioles partout. Hop. Voilà. Plein de lucioles. On a à foutre. Attendez, parce qu'il y a un feu aussi, là. Ah, il est peut-être là, non? Il est peut-être là, attendez, bougez pas. Peintre? Personne peint ici? Ok, on se... le mec, il rentre normal, gros, il s'en bat les couilles. Mais le problème, c'est qu'il y a des feux partout, hein. C'est un village, à la base, on n'est pas bien. Hein. Mec, tu m'as dit près du feu, c'est un peu la solution facile, tu m'excuseras. Hein. Ok, on va passer par là. Là, il y a un nouveau feu. Donc, je suppose qu'il n'est point là. Le peintre, tu l'as en face des hôtels de Don de Pomme. Bah voilà, enfin quelqu'un qui sait bien dire les choses. Ok, on y va de ce pas. Oh putain, je vais pas marcher dessus parce que je vais me faire embrouiller par tout le quartier. En face des Don de Pomme. Donc ici, on y est. C'est là? C'est lui? Bonjour, est-ce qu'il y a un peintre? Mais non, tu es un vendeur de tenues. Attendez, il est où? Où est ce peintre? C'est lui? Dis-moi, l'ami. Je vais te paraître indiscret. Ouais. Ma passion, c'est la peinture. Bah voilà, on y est. Et je parcours le monde. Ok. Il y aurait près de ce village, paraît-il, une magnifique fontaine à grande fée. Oh bah en plus, il m'en parle, tu vois. Non seulement elle serait splendide, mais en plus, la visiter donnerait des pouvoirs mystérieux. Et cela fait un moment que je suis à sa recherche. Et j'ai bien ma petite idée de son emplacement. Le seul souci, l'ami, c'est que je ne parviens pas à l'atteindre. Cette émotion se choque quand on tombe pour la toute première fois sur un paysage aussi mélodieux, aussi irréel. Mais que dis-je, tu es un voyageur, personne ne saurait me comprendre aussi bien que toi. En effet, j'en étais sûr. Je savais que tu partageais ma passion, l'ami. À vrai dire, j'ignore l'emplacement exact de la fontaine. Cela dit, j'ai bien un endroit en tête. Je pensais justement m'y rendre. Ok? Que de fraîcheur dans cette réponse. Allez, suis-moi. Alors attendez, bougez pas, je tente un truc. Ok... Ça, c'est les 12 endroits, très bien. Donc, on va suivre notre ami. Il va m'emmener à la fontaine dissimulée. Attends, gros, tu fais des détours. Vas-y, frérot. Ce jeu m'épate de jour en jour, réellement. C'est étonnant. Allez, Candice. Tiens, on va ramasser les sauterelles. Enfin, les lucioles, pardon. D'accord, donc là, tu m'emmènes là où? Ah, très bien. Non, je voulais pas te parler à la base. Excuse-moi, tu peux continuer. Je voulais pas t'interrompre, t'es déjà assez lent. Eh, j'ai envie de lui jeter une grosse. Sérieux, il est en stress? C'est rien, gros, tiens, regarde. Hop, tu vois. Boum, on fait péter tout le village. Allez, trace.
Faut partir, monsieur. C'était une blague. C'est stylé. Vous avez vu sa réaction? C'est stylé. Ok. Eh, cette poule sur ma vie est... Arrête. Viens là, viens là. T'arrêtes de... Putain. Casse-toi. Ne reviens plus jamais ici. Ok, vas-y, montre-moi où est la fontaine. Il m'emmène à la plus haute montagne, de la plus haute tour, du plus haut village, des plus hautes herbes, de la plus haute fontaine de fées. Tu vas me dire que c'est là-haut, non? Vas-y, frérot, hein, je suis là. Hein. Il est exténué, quoi. Attends, faut lui parler. Plus la pente est raide, plus je sens le poids des années. Ah bah, ça, c'est normal. Hein. Je n'en peux plus, j'atteins ma limite. La fontaine se trouve, paraît-il, après ce sanctuaire, mais j'arrive... Toujours ici exténué, d'accord? J'ai vraiment besoin d'une pause, je vais m'arrêter là. Si tu trouves la fontaine, n'oublie surtout pas de me ramener une preuve visuelle. D'accord. Eh ben écoutez, on va y aller. Attends, le mec, il a fait la moitié du boulot, il arrive, il est au fond de sa vie, quoi. Ah, j'ai cru voir quelque chose d'intéressant là-haut. Est-ce que c'est ça? Ça, on dirait une fontaine, hein. Salut B-Boy, c'est mon premier don timide, mais je voulais te dire à quel point je te kiffe. Plusieurs années que je te suis et crois-moi, tu me redonnes le sourire quand il le faut. Merci à vous surtout. Continuez, merci pour tout frérot. Merci à toi Vilmos. Vous êtes incroyable. Oh, c'est une belle fontaine ça. Une fontaine en forme de plante, incroyable aussi. Ah, attends. Ah putain, j'ai pas réussi à la capturer. Ok, on va essayer de reculer. Ok, celle-là on va essayer de la capturer, cette fée-là. Je sais pas si je vais y arriver. On va cavaler. Go! Oh mais gros, elle me voit arriver à 4,5 km. Ah, ça serait tellement bien qu'une fée te parle. Ok, on va ramasser toutes les plantes. Oh, princesse de la sérénité. C'est incroyable. Je prends. Je prends, je prends, je prends. D'accord. Alors, comment... Attends, c'est une fée qui va sortir de ça? Faut juste aller devant, bougez pas. Ah, faut juste aller devant. T'es le meilleur B-Boy, ouais je te pipe un peu. Par contre arrête l'humour à cette heure-ci, des bisous bébé. Merci Akuma Joke. Non, mon humour est incroyable, c'est parti. Oula, 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 la fée, elle a pris... elle a pris le poids des années, hein. Écoute ma requête, je t'écoute. Je suis la grande fée Kotura. Autrefois cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des années, au fil des ans... Les dons de rubis se faisaient plus rares. Je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 100 rubis. Dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrai t'être utile. Elle est sérieuse là? Bah vas-y, mais ça me fait chier quoi. Merci, j'en avais besoin. Oh là là, c'est quoi qui va sortir de cette horreur? Ok. T'as 100 rubis, c'est cher. Oh damn! L'horreur! Que c'est agréable! Cela faisait longtemps que je n'avais pas respiré l'air extérieur, et bah tu vois. Tu m'as été d'un grand secours. Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Bien, à moi de te venir en aide. Ok, vas-y, dis-moi tout. Si tu as les matériaux nécessaires, je peux améliorer tes vêtements. Veux-tu qu'on essaye, ma foi, oui. Actuellement, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants, oui. Lequel? Alors, celui-là, vu que ça me paraît, je suis pas prêt d'en avoir un meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, vas-y, améliore-moi celui-ci, s'il te plaît. Darky, je suis pas défoncé, je rentre juste de boulot et Bouygues, ça tabasse le cerveau façon Rocky Balboa. J'étais juste impatient. Bien, désolé, bon désolé, elle était impardonnable celle-là. Oh, capa, putain, insupportable. Hein, on les voit les employés de Bouygues. Hein. Bien, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. Miss Pou, pas très discrète comme fait. Oui, effectivement, oui. Oh là, elle m'a soufflé à la gueule là, je suis pas bien, je commence à voir flou. Eh, c'est pas mal ça les gars, non? Tunique, prodige, encore amélioré. C'est pas mal ça, c'est une belle tenue. Voilà, j'ai terminé, ce vêtement est un peu plus résistant.
Ces vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés, mais il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ce pouvoir se déclenche. D'où, à mon avis, pourquoi il faut faire les 12 endroits, aller visiter les 12 endroits, je pense que c'est le meilleur. Souhaites-tu que je renforce un autre vêtement ? Écoutez, oui, je veux bien, pourquoi pas, si c'est gratuit. Lui, peut-être, non ? Lui, ça me paraît pas mal. J'aime bien, en plus, la capuchilienne. Ok. Ça me demande que des cornes, en plus. Ça me demande pas d'argent, autant améliorer. Attends, on va passer, parce qu'elle me souffle à chaque fois la gueule. C'est terrible. Allez, capuchilienne ! Impeccable ! C'est terminé. Souhaites-tu que je renforce ? Allez, vas-y. Attends, ça coûte pas cher. Moi, je prends, hein. Impeccable. En plus, je savais pas quoi faire des cornes de Boclobine. Nickel ou pas ? La dernière fois, elle te demande 10 000 rubis, sérieux ? Putain. Il y aura une rediff ? Oui. Le bot est impardonnable niveau majuscule. Ah bah non, il rigole pas le bot. Hein. Il est content. Ok, on est pas mal ou pas ? Ok, ça en va. Donc je pourrais plus retourner la voir, c'est ça ? Si, quand même. Si, je crois que je pourrais retourner la voir. D'accord. Vous savez quoi, on va se refaire un petit peu en fleurs, là. J'en avais vu un peu plus loin, là-haut. On va se les faire. Histoire de se remettre plutôt bien. En plus, il y a des petits champotes. Hop, je prends volontiers. Voilà, fleurs de sérénité, ça c'est important, ça a l'air rare. Les fleurs silencieuses aussi. Ok, bon, on fait les choses en ordre. Maintenant, on fait quoi, messieurs ? On est pas mal, là. Est-ce que maintenant... Qu'est-ce que c'est ? La fontaine dissimulée, mais j'y suis déjà allé. Attendez, faut y retourner. Ah putain, oui, il lui faut une preuve visuelle. Yes. Bougez pas, je m'en occupe. Ok. Yes, on save. Normalement, ça devrait être bon. Je vais lui montrer. Miskin, le mec, il a 100 mètres à faire et c'est bon, il voit de ses yeux. Donc, je vais lui apporter une photo. Il sera content. Ok, vous êtes où ? Demain, soyez là, hein, au fait, 19h, les gars. Rambo Six, avec Carole Quintel en invité. Si seulement je pouvais un jour... Bah, écoute, frérot. Tiens, je l'ai trouvé. Le mec, c'est à 100 mètres, mec. Le mec, limite, il peut le voir d'ici. Ouais, je t'ai ramené une photo, frérot, tiens. Alors ? C'est la fontaine de la Grande Fée, elle est belle, si belle ! Mais je la pensais plus mystérieuse et son architecture plus raffinée. Ah ouais, mais bon, il y a 100 ans quand même. Hein. C'est gentil à toi de l'avoir cherché. J'aimerais te remercier, mais je n'ai rien pour toi. Je sais ! Dis-moi, l'ami, y aurait-il par hasard des lieux dont tu voudrais connaître l'emplacement ? Oh putain, bah ouais ! Pour mes souvenirs ! Un grand portail avec une montagne enneigée en arrière-plan. Ah, mais je sais. Si tu prends la route vers l'est, depuis le village, tu tomberas vers un haut sommet enneigé, la montagne de l'Anel. Au pied de cette montagne s'étend la plaine. Le portail se trouve juste à l'ouest de la plaine. Je suis heureux d'avoir reconnu cet endroit. J'espère que ça t'aura un peu aidé. Bah, ma foi, oui. Oui. La fontaine dissimulée, quête terminée. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. On en est où, là, les gars, un petit peu, là On en est où, un petit peu, dans les quêtes, là? Donc, des photos souvenirs, ok. Là, c'est la tribu Abattre Ganon. Forcément. Forcément. On va prendre cette quête, là. On va prendre cette quête-ci. Salut, B-Boy, premier don que je te fais. J'adore ce que tu fais. J'aurais une question. Pourquoi tu laisses tes rodifs de live de R6 en privé? Je laisse, Guillaume, toutes mes rodifs en privé, même Zelda. Parce que je préfère retravailler la vidéo derrière sur Sony Vegas pour vous proposer un meilleur rendu parce que le local recording est toujours plus beau à proposer. Voilà pourquoi, mon ami. J'espère avoir répondu à ta question. Je retravaille toujours mes vidéos et j'ai une chaîne secondaire fait pour les rodifs. J'ai pas envie de tout mélanger, à part Zelda, évidemment, où je me fais un plaisir de vous montrer ça sur ma chaîne principale. Mais voilà. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Et si j'ai pas répondu, bah écoute... J'en suis fort navré. Bon, on est parti. Il y a une belle tour là-haut. Ah, il y a un volcan et tout. Ah, il y a une belle tour aussi. Ça, c'est la tour du premier donjon. Je sais pas si avec 5 cœurs, les gars, c'est faisable, le premier donjon. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai des grosses couilles. Ça, vous n'étiez pas censé le savoir. J'ai des grosses couilles, donc on va y aller, les gars.
Bah oui, les gars, je suis là, regardez. Si j'ai, si je porte une tunique, c'est forcément pour cacher mes couilles. Bah les gars, elles sont là, elles touchent le sol. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Hop, toi tu vas me filer exactement tes flèches. Dis-moi que t'avais des flèches sur toi. Bon, ça on prend les cornes et les crocs, c'est important. Il avait pas de flèches, incroyable. Tiens, on va faire cette tour. Non, vous êtes chiant. Voilà, hop, je tenais à prendre ce raccourci. Oh, il y a du temple. Oh là 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 là. Comment on va tous les noter? On fait comme ça? Modifier, baliser, voilà. Et de 1. On peut baliser celui-ci aussi, je pense. On va baliser celui-ci. Et go mettre un like à cette vidéo. Oui, ça fait toujours plaisir, hein, vous pouvez, hein, bien évidemment. Hein. Attends, salopard. En plus, mon sabre va bientôt se briser. Arrête de déconner. Viens là, petit loup. Petit loup. Oh, salopard. Oh là 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 là. Oh, je t'ai enculé. Oh, ce que je lui ai mis. Ok. On a 2 temples. C'est très bon, ça. Une fois les 2 temples, on pourra avoir un cœur supplémentaire, soit 6 cœurs. Plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais avant cela, on va faire cette petite tour qui me paraît fort délicieuse. Regardez comme c'est beau, ça c'est magnifique. C'est là où le jeu est très surprenant en fait. Ok. Ok. Donc j'ai mes 2 temples à gauche. Ah, cette tour elle va être chaude. Ok, on va essayer de prendre un petit raccourci. Ça va pas être évident ces histoires. On va tenter de faire cette tour. Et une fois qu'on a cette tour, on va, je pense, pouvoir... Ok, mais c'est quoi, on va tenter. Ça ne sert à rien de discuter, autant y aller. Et c'est moi où en bas de la tour, il y a un petit temple en plus, ça serait impeccable ça. Je crois que c'est un temple, il y a un petit temple, impeccable. On va faire ce temple, on va faire la tour. Et déjà, on aura une bonne partie de la carte encore dévoilée. Et en plus, on pourra faire le donjon. Mais avant ça, à mon avis, on va rencontrer des difficultés. Ça va être assez chaud. Ouais, vous... Non, c'est pas un temple en plus. C'est pas un temple, c'est juste des torches. Et il y a un sort de gros bonhomme juste au-dessus. Ok. Est-ce que je vais réussir à aller sur la tour vivant? Je sais pas ce que vous en pensez. Oh putain. Oh. Les histoires à Bamako. Ok. On va essayer de prendre un petit raccourci. On va passer par ici. Attends, Link. Voilà. Par contre, c'est vraiment impressionnant qu'on puisse monter partout. Ok. Non, je vais tomber. Je vais tomber, c'est terrible. Attendez. Non, je crois que je peux y arriver. Grâce au pouvoir de la funk. Je peux! J'ai réussi! Ok. Oh. Ok, il est endormi. Ça va vite les gars, on arrache. Ah bah là, Marty... Tu m'as pas vu. Non, tu m'as pas vu. Ok. C'est quoi ce délire de ouf? Par contre, tu feras gaffe à pas marcher de... Oh putain, vous êtes lourd. Je vous laisse lire la blague. Je vous laisse lire la blague de Darky parce que... Oh putain. Trop bien. Une petite cachette de fruits. Avec des noix de coco. Un plaisir. Noix de coco pas très mûres d'ailleurs au passage. Comment je vais faire? Il y en a un juste au-dessus. Putain, c'est pas vrai. Ok, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Oh, je prends des raccourcis, hein, les gars, hein, c'est normal. Hein. Parce que là, vous avez vu que c'est un petit peu tendax. Mine de rien, j'ai pas été cramé encore. Ok. Oh putain, il m'a pas vu. Lâche, Link, fais pas le con. Ouah, c'est quoi ce délire? Oh, un coffre. Ah, mais non. Oh, yes. C'est bon. En plus, j'ai une grenouille tempo. Il me semble que c'est ça pour le vert, hein, vous m'avez dit, hein, pour les tuniques. Ok. Ah, putain, il pleut! Ok, c'est bon, j'ai réussi à monter. Ah non! Faut attendre la fin de la pluie! Ah, c'est terrible! Bon!
Bah écoutez, je lis le chat de justesse. Mais oui, mais les gars, je suis incroyable, c'est normal. Dans le chat, ça dit Darky écrit un livre pour tes blagues. Bah là, on attend qu'il fasse beau, les gars, parce que je peux pas escalader. Alors c'est ça qui est bien foutu dans le jeu, mais au final, tu vois. Tiens, regardez un petit peu ma tête. Tiens, regarde ma tête, frère. Man Peace, à la prochaine. Bisous, Paul. Ça change d'horizon. Ah bah oui, c'est beaucoup. Enfin, c'est clairement différent. Tu peux continuer sur le chemin de droite. Bah ouais, mais tu vois, je sais que ça monte, mais ça me force à passer par les ennemis là. Alors que là, par l'escalade, je suis tranquille. Je me fais pas crémailler, je fais mes petits bails, tu vois. Tiens, allez, on va réessayer quand même. Ah ouais, vous avez vu, c'est chiant. Hein. Non, 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 c'est trop chiant. J'y arriverai pas, ça sert à rien. N'insistons point. Vous voulez que je le fasse à l'arrache? Allez. C'est dommage, jusqu'ici, j'étais pas cramé. Mais vu que vous insistez... Attends, hop. Ok, on va essayer de l'arracher. Oh putain, salopard. Bon, eh, on en a rien à foutre au pire. Oh putain, et pourquoi je vous ai écouté, quoi? Ok, bagarre. Bagarre. Allez, frérot. Non! Oh, il m'a fait tomber, ce bâtard. Oh, 240! C'est un boss! Ok. Allez, dégage. Ok. Allez, oh bah tiens. Allez, va mourir en enfer! Regardez, Miskin! Ok, bon, c'était pas évident. J'aurais pas dû vous écouter, encore une fois. Bon, par contre, il y a un petit coffre, ça c'est plaisant. Vous avez enculé une de mes épées qui était assez forte, c'est chiant. C'est quand même chiant. Oh putain, l'arc de bâtard! Pardon? Vous n'avez pas assez de place? Bouge pas, crois-moi, on va régler très vite le souci. Très très vite. Bien plus vite que ce que vous pouvez penser. Évidemment, pas avec cette touche. C'est parti. Alors, cet arc de merde, on jette. Cet arc. Hop, on jette. On jette. Et on jette. J'utilise peu l'arc en plus. Donc, c'est des arcs, ça va me faire longtemps. Ça va me faire longtemps. Ah, il est magnifique en plus. Hein. Il est genre réellement ma chérie, il est magnifique. Ok, on s'est équipé du glaive, on s'est équipé de ce bouclier. Hop, voilà, j'avais envie d'applaudir. Enfin, j'avais envie de siffler, pardon. On s'est équipé des flèches. Ok, l'arc Zora. Oh, il est classe. Il est classe. Bon, c'est parti. Direction la plus haute tour. De la plus haute montagne. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a une belle pierre à casser ici. Putain, je peux pas, j'ai toujours pas de masse. Eux, ils sont chiants. Ils t'électrocutent. Putain, y a beaucoup d'ennemis là, hein. J'assumerai pas moi. Hein. Attendez, je veux juste monter à la base, hein. Tranquille les potes. Hein. Oh quoi? Il y a un truc chelou sur le mur. Putain, c'est juste ici, c'est pas vrai. Ok, on va monter là, on va monter là. Ok, aucun problème. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. On va monter tout là-haut. On peut pas me tirer dessus. Hein. Regardez le truc sur le mur là, ça me rappelle... Je sais pas, comment ça s'appelle? Un caméléon, voilà. Ça me rappelle un caméléon. Je pense que c'est d'ailleurs inspiré d'un caméléon. Ok, direction. Oh bah voilà, impeccable. Mais quel connard. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Je vous avoue que j'ai commencé à frissonner, je commence à voir flou. C'est parti! On va prendre cette tour incroyable. Et grâce à cette tour, nous allons pouvoir nous diriger. Il commence à faire beau en plus. Dans le premier donjon. Et ça, c'est classe. Ça, c'est classe. On attend que tout se recharge. Et on est reparti. Ah, l'endurance en plus, ça fait plaisir. Quand on aura fait les deux temples, je pense qu'on va prendre un cœur. Parce que là, ce petit endurance en plus, ça fait la différence. On est déjà bientôt au sommet. Ouais, 6 cœurs, ça me paraît pas mal. Dès qu'on a 6 cœurs, après, on repensera encore à l'endurance. Comme ça, on mettra quasi à la moitié. Ça me paraît être un bon plan. Donc, en gros, dans 6 temples... On pourra avoir non seulement 6 cœurs, mais en plus une endurance supplémentaire. Et après, je pense qu'on pensera énormément plus au cœur. Paraît pas mal, voilà. J'ai envie de penser au cœur. Parce que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Bon, allez, le chat et B-Boy, je vous souhaite une bonne nuit. Et ben, bonne nuit à vous aussi. Tu peux exploser.
Une bombe avec les minerais. Tu veux dire tu peux exploser un minerai avec une bombe peut-être. MDR, t'as vu l'heure, je reviens de soirée. Bah j'espère que t'as bien profité gros. C'est le principal. Ok, on va découvrir cet incroyable tour. C'est bien parce que le jeu, tu te sens pas bloqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pardon. Tu te sens pas bloqué. Les quêtes glissent plutôt bien, ça t'aide, il y a toujours des tutos. C'est plutôt cool. Qui a cours demain? Moi, je pense que vous êtes nombreux à avoir cours demain. Pense à changer tes coups d'épée. Ouais, je n'ai pas compris ce que tu me dis, mais pourquoi pas. T'inquiète, tu auras une statue après pour échanger cœur contre endurance et vice-versa. Ah, c'est pas mal ça, merci. Merci de m'avoir tenu au courant. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'a... Oh, c'est un Zora. Mais frérot. Excuse-moi d'avoir crié comme ça, mais tu m'as vraiment filé les jetons. Mais c'est Groove, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, et toi? Bonne question. Très bonne question, même. En fait, avec le prince Sidon et d'autres Zoras du domaine, on cherchait un Illien. J'étais en train de faire une petite sieste digestive. Ok, quand ça s'est mis à trembler, je me suis retrouvé ici. J'aimerais bien descendre, mais c'est juste trop. Si seulement le prince me remarquait depuis le pont en bas. Mais d'Ivoire, t'es un Illien, mais bien sûr. Tu parles d'un coup de bol. Ah, il y a un temple en plus, incroyable. Prince Sidon, j'en ai trouvé un. Il y a un Illien ici. D'accord. Personne t'entend, mon ami. On dirait bien que le prince m'entend pas. Je ferais peut-être mieux de sauter dans la rivière et d'aller le rejoindre. Il sent ou pas. C'est bien trop, c'est plutôt un coup à me briser les arêtes, ça. Désolé, Ilien, faut que je trouve comment descendre d'ici. Ça prend des risques, un petit... Putain, mais les gars, parlez bien, quoi. Putain, c'est terrible. Déjà que c'est pas l'heure, il est 1h du mat, les gars, je commence déjà à avoir flou. Et le mec, il parle hébreu, ça va pas du tout, là. Allez, on est parti, tablette chez Ika reconnue, activation. Activation! Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. On frimousse tel un pimousse. C'est dingue. Point de téléportation. C'est plutôt cool. Et une nouvelle partie de la carte, c'est aussi très cool. Hein, on va pas se mentir. Ah bah entre nous les gars, on va pas se mentir. Québec représente Big Boy. Mais c'est bien, il faut représenter de tout. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, le Québec. L'Amérique, le Mexique. Les Espagnols, les suceurs de gambas. Il faut représenter de tout, il faut de tout. Oh là là, ça c'est un beau point ça. Ouh, regardez-moi un peu cette partie de map que ça m'a filé. La carte de la zone a été enregistrée. Impeccable. Il y a le donjon pas très loin. Je suppose qu'il faut aller parler, oui, aux Zora. Super. Bon. Alors, frérot, comment ça se passe? T'as essayé de me pousser ou quoi? Donc, tu veux toujours pas y aller. Désolé, Lilien, faut que je trouve comment descendre d'ici. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ok, bon. Avant d'aller au pont... Non, mais attends, putain, tu l'as déjà dit. Avant d'aller au pont, on va tout simplement... Allez au temple. Attendez, hop. Bah voilà, c'est beau ça. On va aller au temple, puis après on va parler au prince. Oh bah tiens, il y a un autre Zora. Yo frérot. Attends, je prends des bons gros radis. Formidable! Vous êtes bien, il y a un, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfait, c'est mon jour de chance. Oh, pardonnez mon enthousiasme. Je suis Porea. Du peuple Zora, je suis justement à la recherche d'un Illien tel que vous. Depuis quelques années, il se passe des choses étranges dans notre village, le domaine Zora. C'est pour ça qu'avec Prince Sidon, nous cherchons un Illien, bien évidemment, assez fort pour vous, pour nous aider. D'accord. Le Prince Sidon est au pont. Vous voulez bien aller lui parler, qui sait? Vous êtes peut-être celui qui nous sauvera tous. C'est vrai, mais j'en ai rien à foutre, je me casse. Allez, on va faire le temple, les gars. Le seul et l'unique B-Boy en live, c'est parfait. Bah merci. Fait plaisir, c'est gentil. Le beau jeu depuis 1930. Représente l'Orne, 61, si si la famille, non en vrai. Venez jamais dans une région pour mourir en paix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Sinis? T'aimes pas le 61? C'est où le 61? L'Ozel, oui, tu l'as déjà dit, mais... Non, c'est même pas l'Ozel, qu'est-ce que je raconte? C'est l'Orne, bah oui. Le mec, il sait pas lire, il lit Oseille partout, tu sais. Ok. Incroyable, épreuve basique de force. Tiens donc. On va donc affronter des méchants pas gentils. Frérot. Ok, ça me rappelle quelque chose. Oula, 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 il a un bouclier, il veut qu'on soulève lui.
Waouh! Ah d'accord, tu veux qu'on soulève à l'ancienne. Ah putain, ça va être chaud. Ah putain, ça va être chaud. Waouh, waouh! Calme-toi, Ninja Kid. Ah putain, salopard. Bien joué à toi. Allez! Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va utiliser ça. Mon glaive incroyable. Frérot, tu fais quoi là? Waouh! Oh putain, bien joué. Allez, mon glaive incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire? Waouh! J'étais tellement pas prêt! Oh, c'est beau! Oh, c'est très beau, ça! Un nouveau glaive! Et en plus, on va récupérer des pièces antiques pour s'améliorer. Améliorer notre incroyable pouvoir. On peut tout améliorer dans le jeu, c'est fantastique. Oh là là, le bouclier de gardien rigole zéro en plus. Et évidemment, j'ai pas de place. Compartiment à bouclier, qu'est-ce donc que ces bêtises? Allez, ça, on jette. Ça, on en a rien à foutre. J'améliore jamais hein, les compartiments à bouclier. Hein. Vous noterez que... on les utilise que trop peu pour moi. Donc c'est parti. Il va y avoir une pierre dans ce coffre. Donc normalement, je pourrais la revendre et me faire un peu de rubis. C'est ça, vous confirmez une pierre, c'est ça? Ah non, même pas. Ah, oh putain. Mamma mia. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Oh, il est magnifique. J'ai tellement le style, les gars. Tellement le swag. Ok. Ah, je commence à être stylé, non? Vous en pensez quoi? Attendez, il manque quoi? Il manque un bouclier. Un bouclier, le bouclier de lumière dans le dos. Et j'ai le style à Smogogo. C'est pas mal. Prends le coffre en photo. Ah, j'ai oublié. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le prendre. Ouais, mais là, c'est trop tard. Elle va me TP en haut. Non? Je crois qu'elle va me TP en haut. C'est mort, les gars. Ok, bientôt un cœur supplémentaire. C'est pas mal. T'as reçu la manette pro? Ouais, j'ai reçu la manette pro, c'est bon. Je joue plus depuis le gamepad. Ce qui est drôle, c'est que tu t'extases devant des choses ridicules sans vouloir t'offenser. Mais frérot, j'apprécie la vie, mon ami. J'ai pas besoin de trucs magnifiques pour m'extaser. Un bout de bois, moi je kiffe. Moi, tu me donnes un jeu avec la possibilité d'avoir un bout de bois, j'aime. Et oui, je m'extase, parce qu'on ne vit qu'une fois, mon ami. Ok, on va aller voir le frérot Ilien là-haut, là, il est en Drèche depuis 165 ans. Bon, c'est toi le prince mes couilles. Première donation pour toi frérot, merci de me divertir depuis 3 ans déjà, je t'aime ma petite gueule, merci à toi Jordan. Ici, je suis ici. Ok les gars. Tu es un Ilien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Hé! Hey. Oui, c'est bien ce que je pensais, tu es un Ilien. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Je suis Sidon, ou Sidon, appelez-le comme vous voulez, prince des auras. Comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Je m'appelle Link. Link? Link, ça sonne bien. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. Hein? Link, tu es un puissant guerrier Ilien, n'est-ce pas? Oui, en effet. En effet, c'est vrai que je suis une machine. Oui, je le savais. Après tout, je suis le prince des auras. Je suis très perspicace. Et je sais à qui j'ai affaire au premier coup d'œil. Bien! C'est parfait. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont le simple aura serait un gage de force. Quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Varuta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi et de nous. Acceptes-tu de venir dans le domaine Zora? Mais bien sûr. Oh, vraiment, merci, Link. Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. C'est comme si le domaine Zora était déjà sauvé. Rends-toi vite dans notre village. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises, mais en suivant ce sentier,
tu arriveras jusqu'au domaine. Vous autres Iliens, vous pouvez pas remonter les rivières, alors le voyage sera plus périlleux. Les monstres manipulant l'électricité qui se trouvent un peu plus haut risquent de te donner du fil à retordre. Courage ! Il est stylé. Ah, j'oubliais, j'ai quelque chose à te donner. C'est un petit quelque chose pour t'encourager. Écoute, moi je prends, gros, je suis un gros rat là en ce moment. Vas-y, donne-moi tout. Oh putain ! D'accord. Ce remède augmente la résistance à l'électricité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède ilien, mais il ne marche pas très bien sur nous autres, les auras. Par contre, je pense qu'il sera très efficace sur toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger, je compte sur toi. D'accord. Ok, bah on est parti, les gars. On est parti. Vers le domaine Zora. D'accord, je pense que vaut mieux y aller parce qu'ils m'aideront. Ils m'aideront grandement, à mon avis, à faire le donjon. Lui, il crache partout. On va le laisser cracher. Quoi ? Calme-toi, je te pique la gueule, moi ! T'es fou ou quoi ? Le mec, il m'agresse de ouf ! Ok, ça, je récupère de ouf. Des petites flèches, tout ça. Ça fait plaisir. Ah oui ! Le bouclier du swag. Le bouclier du swag. Là, je suis en full gardien, là. Full arme gardien, quasi. Ah, d'accord. Donc, ça me crache à la gueule. Sans aucune putain de pitié. Ok, on va passer par ici. Allez, dégage. Par la même occasion, ça s'est brisé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah, arrêtez ! Laisse-moi tranquille. Ok. C'est bon, ils peuvent pas me toucher, miskin. Hop, petite épée de voyageur. Bah d'ailleurs, on va l'utiliser. Elle fait pas beaucoup de dommages, mais quand même. C'est mieux que rien. Ok. Bon, jusqu'ici, le chemin est périlleux, mais... ça va. Ah putain, saloperie. Ah ! Allez, dégage. Dégage. Allez, casse-toi. Casse-toi en contrebas, là, tu me racontes ta vie. Ok, ah d'accord, on peut faire... On peut littéralement mettre des embûches. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Toi aussi, tu craches à la gueule ? Ah oui. C'est un oui catégorique. On part sur des molars. Des molars qui font la taille d'un caillou, quand même. Oh putain, doucement, les mecs. Non, c'est pas vrai. Encore ? Ah mais les gars ! Non mais les gars, c'est quoi ces crachats de l'espace ? Oh, Varane ! Varane qui lâche 10 balles, mais qui ne dit rien ! Varane qui n'arrive pas à dormir, apparemment. Hé, Link ! Merci à toi, Varane. Te ruine pas, frérot. Hein. On se voit demain en live, hein, t'inquiète pas. Hein. Désolé de te parler depuis la rivière. Comme je t'ai enrôlé de force, je ne savais pas si tu viendrais, mais je suis rassuré de voir que tu progresses bien. Depuis les phénomènes récents, les monstres pullulent par ici, alors sois prudent. Les auras t'attendent, Link. Putain, mais... Ouais, non, mais le mec, il se barre tel un saumon, cousin. Il me laisse en plan. Ok. D'accord, hop, j'ai failli me faire arracher, notez-le. Ça part sur des crachats, hein, depuis tout à l'heure, quand même. Hein. Ok, il m'a dit que j'étais sur la bonne voie. Ça fait plaisir, le frérot. Donc, il pleut. Ça, c'est scripté. C'est scripté, la pluie ne va pas s'arrêter. Hein. Regardez en bas, juste à côté de la map. Il pleut toute la journée, hein, littéralement. C'est pas prêt de changer, c'est juste pour qu'on puisse prendre le chemin. Waouh ! Attendez, là, c'est plus le même jeu, là. Il y a deux secondes, on partait sur des petits molars, mais là... Ok, lui, je vais l'arracher calmement. Oh là, je lui mets des gifles, le bordel. Allez, dégage. Reste par terre, petit. Joue que quand tu maîtrises tes armes. Ah, je trouvais ça beau. Je trouvais ça classe à dire, donc j'ai préféré le dire. On a des ronces. Mais évidemment, pour arracher les ronces... Bon, on va faire le tour, parce qu'on en a rien à foutre des ronces. Je sais même pas pourquoi je fais genre je suis bloqué par des ronces. Ok, on suit le chemin. Attendez, mais c'est terrible. C'est terrible. Attendez. Il est temps de mettre la carte. Oui, il faut suivre le chemin. Alors là, on a des baisses de FPS, c'est terrible. Ok, c'est bon, ça commence. On retourne sur la voie. C'est qui là qui crie dans une trompe ? Ah merde, j'étais cramé. Ok, on court. Aucun souci. On se raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Oh, une grenouille. Je la veux. Merci.
Encore une grenouille, je la veux aussi. Oh là, comment elle cavale, regardez Miskine. Ah, très bien. Ah, Sidon. Sidon. Ah, oh, les gars, appelez-le comme vous voulez, hein. Faites pas chier. Hein. Il y a un coffre au milieu des ronces. Bah oui, mais je peux pas mettre le feu, il pleut, mon ami. Ah, je sais comment j'aurais pu. Désolé de t'interpeller d'aussi loin, le domaine est encore loin, mais tu avances à bon rythme. Je t'encourage depuis la rivière. Je sais que tu peux le faire. Je sais, les gars. J'ai une baguette qui crache du feu. J'ai une baguette de feu. Donc j'aurais pu mettre feu aux ronces. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. C'est de l'électricité. Elle électrique, très bien. Je prends. Tout ça, on prend calmement. Oh putain. Ça me fait chier d'utiliser des flèches juste pour ça. Mais vu que je sais pas de quoi ils sont capables, on va préférer faire attention. Par contre, gavez-moi. Oh putain, le bordel. Ok. On avance pas mal. Oh la vache. C'est magnifique. C'est un donjon, ça, non? D'accord. C'est ça, le domaine Zora. Oh, je vais prendre ma vie. Je vais prendre ma vie. Ok, on va essayer de la faire discret. Ok, on va essayer de la faire discret. Regardez. Ok, on va passer calmement derrière. C'est bon. Je suis pas cramé. Putain, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, on va essayer de faire gaffe. Les gars, là, je suis très concentré. Hein. C'est bon. Ok. Est-ce que vous me confirmez que le pont d'Orlène, faut passer? Oui, il faut passer sur le pont d'Orlène. Après, je peux pas prendre de raccourci, malheureusement. Oh, il y a un champignon qui m'intéresse. Je l'ai jamais vu. Bougez pas, on va essayer d'aller le chercher. Ah si, c'était les silencieux. D'accord, très bien. Ah, une petite part de déception, je vous avouerai. Ok, 22h, les gars, il pleuvra tout le temps, hein, il pleuvra toute la nuit. En live depuis combien de temps? Je suis en live depuis 1h30. Hey Link, tu as presque à mi-chemin maintenant. Tu risques de traverser des coins avec pas mal de monstres un peu plus haut, mais je suis sûr que tu t'en sortiras. C'est bien, il m'encourage le frérot, mais ça suffit pas de m'encourager, gros, là, je suis pas bien. Je suis qu'à mi-chemin, putain, mais attendez, je viens d'où? On est pas bien. Attendez, hop. Qu'est-ce qu'il fait? On va le laisser calmement manger. D'accord. Peut-être. Je vais peut-être l'arracher finalement. Allez, ça dégage. Ça dégage. 2-3 gifles, on n'en parle plus. Ok, je peux me faire à. Vous savez quoi? On va se faire un peu à manger là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné et aujourd'hui on n'a pas du tout cuisiné dans cet épisode. Faites-la cuire pour un remède faisant gagner en discrétion, d'accord? C'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on a tellement de choses à faire cuire. Reste rare, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi hein, si vous avez des idées, les gars. Hein. C'est vrai qu'on cuisine pas beaucoup. Suffit d'un simple simuli, ok. Ok, ça c'est des vis antiques. Ça, c'est pour encore gagner en discrétion. Tout ce qui est silencieux, c'est pour gagner en discrétion. Ouais, ça, c'est ressort antique, on s'en fout. À faire cuire avec un insecte. Ou un lézard. J'ai tellement de trucs à faire cuire, les mecs. J'ai tellement d'ingrédients, c'est terrible. Augmente la vitesse de déplacement. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Avec quoi je pourrais cuisiner? Ça avec une grenouille? Ça prendre. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? On est d'accord, hein? On essaye comme ça? Allez, on essaye ça. On va essayer cette technique. 5 pommes. Ouais, c'est vrai, aussi, vu que j'ai des pommes. Normalement, j'ai un bon plat. Oh là là, résistance. Augmente la vitesse de déplacement pendant 8 minutes. Eh, franchement, c'est propre. On va prendre des pommes aussi, vous avez raison. On va en prendre 5. Hop.
Ah, c'est le petit... Ah bah, les gars, il y a toujours un petit aspect cuisine, hein. Ça fait toujours plaisir. Parce que ça restaure des cœurs. Oh oui, ça restaure 5 cœurs en plus. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Encore une. Allez, on n'est pas des crevards de pommes. Allez. On la remet aussi. La lune de sang. Non, c'est pas la lune de sang, là. Je pense qu'il aurait dit. Et ben voilà. Ok, bon, on se cassos. Oh putain, une grenouille. Je la veux. Je la veux, frérot. Non. Oh putain, j'ai fait glisser. Saloperie. Elle m'a échappé. Allez, on est mi-chemin. Direction. Dès qu'on arrive au domaine de Zora, on s'arrêtera peut-être là. On va voir ça. Ok, je vois que ça me met des petites embûches. Pas de soucis, ça arrive. Vous savez quoi? Par pure précaution. Voilà, on va figer. Je vais pouvoir figer les cailloux qui vont me tomber sur la gueule. Ah ouais. Ok. Bougez pas, j'en fais mon affaire personnelle. Ok, ça va être une affaire un peu plus que personnelle finalement. Ouais. Sachant que j'ai pas de masse. Comment on va faire, les gars? Comment je peux faire? J'ai pas de masse, putain. Mais non, idiot. Et ben voilà. Non. Non! Fils de... Putain... Je me suis bourré de touches. Non. Ok, on va rester sur le côté. Ah, ça m'a presque utilisé ma... Ah, ça fait chier. Oh bah tiens. Attendez. Attendez. Hop, mort du premier coup. Et en plus, incroyable si c'est vrai. Incroyable mais vrai, je dirais même. J'ai des magnifiques lances Zora. Et des lances... C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on a comme truc dégueulasse, là, à se débarrasser? Une torche ou une feuille? Plus une feuille. On va prendre la lance lézard, ou je sais pas quoi, là, lézal. C'est pas mal. On avance, on avance, on avance, mine de rien. Ah, ça, ça va être chiant. Calme-toi, petit. Doucement, pépito. Waouh, waouh! Attendez, attendez, hop. Attendez, parce que lui, s'il me touche, il me brise en deux. Il me tue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un plat. Tiens, on va manger des brochettes. J'avais envie de poisson. Oh, putain! Quoi? Waouh! Je suis déjà... Sérieux, là, les gars? Attendez, attendez, je bégaye déjà. On va prendre ça. Hop, si c'est fait, s'il me l'a donné, c'est que ça se mange. Ah non, mais non, j'ai une résistance. Ça va aussi, oh. Ok, une queue. Hop, on ramasse tout. Un bouclier. Un bouclier bien robuste. Bien gras. Oh, un boomerang. Ça, c'est bien, ça. Attendez. Putain, je commence à bégayer, les gars, là, mais... Ah, c'est terrible, les menus. Niveau arme, on est où? Il faut à tout prix que je laisse un vieux truc. On va laisser ça. Oh putain, j'ai du boomerang. Alors, lui, on va le faire à l'ancienne. Ah putain. Comment le... Mais comment... C'est bon. Putain, faut le rattraper en l'air. Merde, reviens. Oh, il revient pas, ce petit bâtard. Ok, ok, j'irai le chercher plus tard. Voilà, il va revenir. Yes. Ok. C'est bon, j'ai récupéré mon boomerang de tout à l'heure. Les gars, j'ai que ça à foutre que d'envoyer des boomerangs partout, putain. Ok. Comment je vais faire pour m'approcher?
En attendant, on va récupérer ce glaive. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mec! Abuse pas! J'ai pas d'armes! C'est pour ça! Ok. Putain! Pourquoi il avait lâché l'arme? On n'est pas bien. On n'est pas bien. Là, ça commence à devenir assez hard. Donc, on va utiliser... Heureusement que j'ai l'anti-électricité. Cet arc, j'en ai strictement rien à foutre en temps réel. Les gars, je ne sais pas où est... Où sont passés... Pourquoi il l'avait lâché? Je comprends pas. C'est très bizarre. Link, je sais pas quoi tu joues. Attendez. Attendez, parce que lui, ce petit salaud... C'est une blague? C'est une blague? Alors, ce qui est assez chaud, c'est qu'il faut quand même le rattraper, le bouclier. Hein. On dirait pas, mais il faut avoir le réflexe de réappuyer sur A quand il revient. Ok, on s'en est bien sorti. C'était pas évident. Faut que je profite encore de mon anti-électricité. Eh ben, il est là, mon boomerang. C'est terrible. Je sais pas comment ça se fait qu'il arrive à aller aussi loin comme ça, là. Très chelou, cette histoire. Ah, encore une histoire à résoudre. Ok, on va ramasser tout ça. Herbe d'Hyrule, c'est toujours beau. Oh, ce que je lui ai collé, lui. Ah! Bon, alors toi, on va t'achever comment? On va t'achever comme ça, à l'ancienne. Pardon? Tu me donnes des coups de langue? Ok, toi, t'es chiant. Ok, là, on fait des combats ridicules. Quoi? Ok. Oh, les pires combats ever. Entre l'autre... Attends, toi, t'es chiant. Entre l'autre qui essaye de... Oh, GG. Ok. Entre l'autre qui essayait de m'envoyer des flèches qui me faisaient bégayer là, j'étais pas bien. Oh putain, mais oui, mais gave-moi. Boomerang robuste. Incroyable. Flèche de bois que je récupère. Tiens, on va récupérer ce... J'aime bien boomerang, mais il revient pas tout le temps, c'est chiant. C'est très très chiant. D'accord. Oh putain, on a le choix. Ok, du boomerang. On a pas mal de trucs, dont un coffre. J'ai failli l'oublier. C'est très dur, hein. Là, ça devient chaud, hein. La MLG. Oh, rubis argenté. Tiens, j'en avais donné 100 des rubis tout à l'heure. Je les récupère. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si ma... Ok, bah c'est tout droit là-haut. Attendez. J'ai pas envie de tomber pour rien. Non, c'est là-haut. Ok, c'est tout droit là-haut. D'accord. J'ai pas envie de faire le con là pour rien parce que j'ai pas fait tout ça dans le vent. Ok, on va passer par là. Je suppose que c'est par là. Hein. En tout cas, les lampes ont l'air de montrer que c'est le domaine Zora. C'est gigantesque. La map est gigantesque. Encore, c'est encore très surprenant tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un boomerang 24 quand même. Il fait de sacrés dégâts. Je vais garder mon glaive. Mon bouclier, il s'était cassé malheureusement. RT6, c'est triste. Ok, on va traverser ce pont. Je suppose que là, on va avoir le prince, là, non? Prince qui va venir m'encourager. Il n'y a pas un petit temple? Putain, il n'y a pas de temple. C'est vraiment gigantesque. Ok, c'est par là. On y est bien... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça, là-haut? Si, c'est un temple, ça, non? Ça, on dirait bien un temple. Il est surprenant. Honnêtement, ils ont fait très fort. La Switch, c'est une tablette, hein. Ils ont fait très très fort, honnêtement. Par ici en bas. Il va me dire que je suis bientôt arrivé, même pas. Qu'il me reste encore pas mal de chemin. Ou alors pile poil mi-chemin. Putain, mais à chaque fois qu'il parle, c'est drôle parce qu'il y a une vieille musique, genre ça le rend épique le mec. J'étais sûr que tu passerais par ce pont, alors je t'attendais, tu es bientôt arrivé. Moi aussi, je vais rentrer, rendez-vous là-bas. Bah voilà. Ah, Link, derrière toi, un monstre approche, fais attention, pardon. Oh putain, lourd. Ok. Reste là-haut. J'ai suffisamment... Ah, c'est trop stylé quand il tire dans les mains aussi. C'est vraiment stylé. Quand tu tires dans les mains, il lâche le gourdin. Ok, easy caramel. Est-ce que ça vaut le coup de ramasser? Allez, je ramasse.
Je ramasse parce que ça, pour exploser les cailloux, à mon avis, il n'y a rien de mieux. Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Oui. Et nous sommes bientôt arrivés. Nous sommes bientôt au bout du chemin. C'est un sacré périple, en tout cas. J'ai hâte de pouvoir me TP à volonté là-haut. Qu'est-ce qu'on a là? Des champidirules, je prends, ma foi. Régalez-moi. Régalez-moi plus souvent. Va falloir que je me refasse de nouvelles recettes, comme quoi les pommes, ça part super vite. Ok, on va passer par ici. Qu'est-ce que c'est? Des radis? Radimax, c'est incroyable. Une biche. On va l'arracher, les gars. Ah, très bien. Une flèche suffisait. Oh là là! Oh bah d'accord, ça l'a direct découpé en deux. Aucune putain de pitié dans le jeu. Vénaison fine. Très bien, ça. Très très bon. Et il n'y a plus de monstres en plus. C'est incroyable. Je suis un peu trop tranquille à mon goût. Mais écoutez, je prends volontiers. Je prends volontiers. Oh putain. Ok, lui il est chiant. Lui il est chiant. Lui, tu te prends une boule comme ça, t'es mort. Ok. Ah, j'ai réussi. Ah d'accord. Calme-toi petit. Ok. Ah putain, salopard. Allez, voilà, reste à terre. Ok. Eux, ils sont chauds à tuer, mais ils lootent forcément un bâton électrique ou une connerie. T'es où, frérot? Yes, un bouclier en bois. Dégueulasse, bien dégueu. Oh putain, j'ai plus d'arc. Ah, c'est terrible. Ok. Comment on peut faire pour s'équiper en arc, là? Je ne comprends pas. Bah oui, parce que vu que je peux pas... Les gars, c'est terrible. Comment on s'équipe en arc? Ok, on va prendre lequel? Bon, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Il faut pas que ça me touche, ça. Ok, monsieur est mort. C'est bon. Alors, normalement, on peut récupérer son bâton. Voilà. Baguette électrique, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, à savoir, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas trop. Bon, allez, honnêtement, la hache, j'en ai quasi pas l'utilité. Allez, ça, on va jeter. On verra. J'en trouverai une utilité de ce bâton électrique. Vous en faites pas, messieurs. Ok, bonne chose de faite. On a tout arraché. Et on a une carpe! Et on a une belle arme, là, non? Ça, c'est quoi, une fourche, les âles? C'est pas mal, ça me plaît bien, ça, non? Ça vous plaît pas, vous? Tiens, on va lâcher ça. La fourche a l'air tellement mieux. Attendez, je dis peut-être... Ouais, 18, c'est pas mal. C'est pas mal, on commence à se faire un sacré stuff, là. On s'équipe comme jamais. Pour le donjon qui va approcher, je pense. Qu'est-ce que c'est, ça, aussi, là? Examiner. Oh, putain, je pouvais les examiner depuis le début. Ah, d'accord, c'est l'histoire des auras. Oh, putain, on en a strictement rien à foutre. Gros, les gars, l'histoire des saumons, ça va aussi. Hein. Ah, très bien, on la relit, hein, parce que c'est toujours très intéressant de la lire deux fois. Ah, ça me saoulait dans les RPG quand t'essayais de passer vite une conversation et que tu rappuyais sur la touche. Ça fait plus de 2 heures que ça a commencé. Effectivement, Camille. Camille, ou une des modératrices, hein, bien évidemment. Et en tout cas, là, les gars, c'est un peu épique, hein, tout ce qu'on vit jusqu'ici. Hein. Je sais pas vous, mais... Oh, il y a de l'épicité, hein. Vous êtes 1400 encore, mais c'est incroyable. La moitié sont endormis, mais c'est toujours cool. Puis à regarder en rediff, c'est toujours propre aussi. Allez, on est parti. On va monter. Ah, il y a un feu. Je serais tenté de dire il n'y a pas le feu au lac, mais on va m'insulter si je fais des blagues comme ça. Tiens, on va juste récupérer les plantes. Toujours bon à prendre. Tiens, hop, je soulève les cailloux. Oh, tiens, salopard. Allez, hop, tu vas où comme ça? Ok. Donc, c'est juste... Attendez, j'ai pas envie de faire nimp, là. Ok, on va suivre le chemin, hein, les gars. On va pas commencer. Ouais, on va pas commencer. Est-ce que je peux pas... Bah, voilà. Ah, bah, je prends des raccourcis. Alors, attendez, on va attendre que ça se recharge. Et on va prendre des petits raccourcis. Yo, les frérots. Yo, yo, yo. Salut. Voilà, on va passer par ici. Tout se passe très, très bien, ma foi. Oh, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Hop, la petite MLG, c'est normal, c'est moi qui régale. Bon, on est parti, les gars. Nous voici enfin arrivés au domaine Zora. Attendez, une question me turlupine.
Est-ce qu'ils considèrent ça comme un temple? Ça serait donc le premier donjon dans le prochain live de Zelda. Dans l'épisode 4, on fera le premier donjon. Enfin, du moins, on essaiera de le faire. Parce que ça risque de pas être évident. Vous avez pas remarqué tout ce chemin qu'on a arpenté? À mon avis, c'était surtout histoire de nous donner beaucoup de flèches. Ok, c'est bon, c'est les auras. J'ai eu peur. Allez! Allez, bonne nuit, B-Boy les viewers, te couche pas trop tard et oublie pas le miel. Merci à toi, Ennis. Y'a pas que les mecs du Quai 12 qui s'inquiètent pour toi, Siao. Merci, frérot. Hein? Link, je t'attendais. Bienvenue, tu es ici chez moi au domaine Zora. Je vais te présenter au roi. Viens par ici. J'arrive, frérot. Vas-y, présente-moi au roi. Il va me raconter son histoire totalement incroyable, n'est-ce pas? Ok, vers le domaine Zora. C'est beau ça. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Attends, il y a un temple dans le domaine. Excellent. Il y a une auberge et tout. C'est incroyable. Sanctuaire. Oh là là. Fleur de lotus et... Oh putain, frérot. Hop, je te veux, toi. Crabe enduro, améliore l'endurance. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, longue épée Zora. Alors là, les gars, il est temps de parler pure business. Alors, on arrête les conneries. Ça, on jette. Rien à foutre. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Ok, ça, je vais garder au cas où. On fait ce temple. Et on sera à 4 en plus. Il me semble qu'on sera à 4, donc on pourra déjà avoir... T'as toujours pas fini? On pourra déjà avoir, comment on appelle ça? Un cœur en plus. Un cœur en plus, et comme je disais, les 4 prochains temples, on travaillera l'endurance. Donc on passera à 6 cœurs. C'est plutôt cool. Ça augmente. B-Boy, tu arrêtes vers quelle heure? J'arrêterai quand... Peut-être après ce temple. Peut-être après ce temple, on verra. Ok, force de pression. Ok, il y a des boules qui tombent. Et je dois aller de l'autre côté en emmenant une boule. Je suppose qu'on va devoir utiliser ceci. Ok, on va faire comme ça. Ça me paraît pas mal ça, non? Waouh, ça va être chaud. Ok. Alors comment je peux l'attirer? J'ai peut-être une idée. Maintenant... Attendez. Ah, putain, non. Maintenant que j'ai pu... On va les figer. Pas trop, hein. Pas trop, on va pas faire les Américains. Regardez, ça va aller loin. Ah, dommage! Putain, l'idée était bonne! D'accord. Ok. L'idée était bonne, presque du premier coup. Ok. Attendez. Hop, on va repasser à ça. Ah, merde. Ah, dur. Dur, dur, dur. Attendez, je veux juste mettre ça pour me protéger. Ok. Ok, ok. Venez calmement, là. On attend le cumul. L'idée était bonne, hein. C'est pas ces boules-là. Ah ouais, c'est vraiment plus. Mais si, c'est ces boules-là. C'est la même taille. Je connais bien, je m'y connais en boules, les mecs. Oh. Voilà, on va pas trop en faire. Non, 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 non. Sale rat. Allez, allez. Ok, on y est presque, on y est presque. Pas de problème. Normalement. Oh putain, ça va être chiant. Oh putain, tu sens le truc chiant arriver. On va essayer tout doucement, on va y aller petit à petit. C'est une blague? Fais pas le con. Fais pas le con, faut que ça se recharge. C'est bon, on y est presque.
Fais pas le con, putain. Ok. La boule est en haut. Oh, mais putain, vous êtes chiant. Oh, putain, ça va être chiant. Ah oui, je peux pas monter là-dessus. Ouais. Donc vous êtes en train de me dire que je vais bien me faire chier à devoir monter tout là-haut, c'est ça? On est bien d'accord, hein. Ok. Bah écoutez, c'est parti. Ah bah dommage, l'idée était pas mauvaise, hein. Ah, vous pouvez pas me le reprocher, les gars. Écoutez, j'ai tenté, hein. Ouais, parce que faut pas que je me fasse enculer non plus par... par les boules, justement. Qu'elles détruisent pas. Voilà. Ok. Un coffre, c'est plutôt cool. Dis-moi ce que tu as. Je te dirai qui tu es. Nul à chier. Allez, un vrai plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est cette boule. Oh, putain. Oh, vous êtes chiant. Comment je peux faire? Faut que je monte tout là-haut, mais... Ok, j'essaie de me créer. Ah merde, dur. Je peux pas monter. Putain, il peut pas monter ça, lui. Ok. Impeccable. Bon, faut pas que je me foire, sinon ça va me saouler de tout refaire. Et c'est là que je me dis... Comment on va faire? J'ai ma petite idée. Déjà, on va tout briser. Bon. Alors là, là, les gars. Là, je me dis comment on va faire. Déjà, je suppose que... Ok, on va se débarrasser de celle-ci. Voilà. Comment je vais pouvoir faire? Déjà, on va pousser comme ça. Ensuite, on va pousser comme ceci. On essaye de comprendre, hein, vous inquiétez pas, c'est la première fois que je le fais, vous vous en doutez. Impeccable. Je suppose qu'il faut pas qu'elle touche le laser. Oh putain! Non, fais pas le con! D'accord. Ça va être chiant. Ça va être chiant, un vrai plaisir. Ok. Il y a une passerelle à côté pour éviter de tout remonter. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. D'accord. Ok. Hop. D'accord. Voilà. Attends, putain, elle est bloquée où, ce con? Attendez, elle est bloquée où, là? Ok, elle est bloquée là-haut. Ok, elle s'est débloquée toute seule, incroyable, mais vrai. Ok. J'ai réussi à la bloquer. Mais alors, les gars, comment je l'amène là-haut? Marche dans l'eau. Mais je ne peux pas marcher dans l'eau, je vais glisser selon toute logique. Ah si, je peux marcher dans l'eau? Tu peux pas utiliser l'aimant? Non, 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 on peut pas utiliser l'aimant, justement. Alors les gars, là, maintenant, comment je fais pour l'amener là-haut? C'est là toute ma question, en fait. Ah si, je peux marcher dans l'eau. Ok, je l'ai posé ici, c'est incroyable. Il faut que tu fasses comme les autres. Ah putain, ouais. Ah ouais, la galère. Tu sens la galère arriver. Oh putain. Ça va suffire, deux. Deux, on est pas mal. Oh putain, non. Allez, déconne pas. Ok.
Allez, une fois, ça devrait suffire. Je pense être dans la bonne direction. Yes. Allez, frérot. Impeccable. Ah, oh, je suis une machine. C'est normal. C'est normal, les mecs. C'est normal. Ok, c'est bon. Ouais, c'est du golf. C'est exactement ça. Bon, bah, Mash, elle est bientôt morte. Hein, on va pas se mytho. Après toutes ces années, ça serait dommage de se mentir maintenant. Y a pas un petit coffre caché, là, histoire de me récompenser? Parce que là, frère, j'ai fait le sale boulot. On m'a un peu chié dessus, les mecs. Hein. On m'a un peu chié dessus. GG, ça. Bah, les gars. On essaye de calculer un petit peu, hein, de pré-shot, comme on dit dans le milieu. Ah bah dès qu'il y a des grosses boules, je m'en sors bien, hein, c'est sûr. Hein. Allez, on a un nouveau cœur, 6 cœurs, c'est incroyable. On va pouvoir aller prier vers Cocorico ou autre. Et ça, c'est plutôt cool. Tu l'as mise au fond. Incroyable, une machine. Bah, les gars, attendez. On fait le taf, hein, on fait le taf. On n'a pas le choix, hein, malheureusement. C'est une époque difficile qu'on vit là, donc... il faut faire le sale boulot, quoi. J'espère que vous serez là demain. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là demain, en tout cas, pour le live R6, on va se remettre dedans. C'est pas grave, B-Boy nous donnera une paella en échange. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ok, un nouveau temple de fée. Et on peut se TP d'ailleurs, ça a créé une téléportation, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler aux auras avant de se lâcher quand même? Ah oh, oui, d'accord, donc toi tu vends tranquille dehors, tout va bien. Ah, il y a un architecte ici. Il y a un goron. Bon. C'est parti, on va parler. On va lui parler ou pas? Allez, on va lui parler. Histoire de faire saliver pour la prochaine vidéo. On va parler au frérot tout là-haut. N'oubliez pas que j'avais deux temples aussi marqués auparavant. Je pense qu'on fera les deux temples dans la prochaine épisode. Qu'est-ce qui t'arrive, Jackie Chan, là? Je vais te calmer, mon pote. Attendez, par pure précaution, les gars, on save. J'en ai rien à foutre. Ah bah, j'en ai rien à foutre. Va en haut du domaine. R6, c'est à 19h demain. Allez! Oh là là! Il est incroyable! Frérot, dis-moi tout. Dis-moi tout, je te dirai qui tu es. Oh! Serais-tu Lilien que Sidon a ramené avec lui? Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je suis Dorefa, le souverain du peuple Zora. Mais ce que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah. Hmm? Ah bien, regardez, tu es Link, le prodige des Iliens. Ne te souviens-tu pas de moi? Le prodige des Iliens? Link est le prodige des Iliens en personne? Mais oui, il me semblait avoir déjà entendu son nom. C'est vraiment incroyable. Voyez, eux aussi s'extasient pour rien. Link, le prodige des Iliens, est ici présent. Cela est en effet incroyable. Que de souvenirs. Nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises autrefois. Les nouvelles de ton trépas étaient arrivées à mes oreilles, mais tu es bien vivant. J'ai dormi longtemps. Ah bah, il faut lui dire, les gars. Hein. Faut pas mentir, 100 ans. Comment? Combien de temps exactement? Serait-ce pour cela que tu ne sembles pas te souvenir de moi? Mais tu te souviens tout de même de ma fille Mipha? La Mipha? Ça me dirait. Ça me dit rien. Voilà, je l'ai croisé tout à l'heure, mais on va faire genre on l'a pas vu. Je ne peux y croire, tu aurais oublié jusqu'à l'existence de Mipha. Vous étiez pourtant des amis si proches. Tu es certain que tu ne te souviens pas d'elle? Mais gros, force pas. Même en revoyant le domaine et la statue érigée en son honneur, le souvenir de ma fille ne te revient-il pas? Non. Il doit bien exister un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire, je me demande. Oh. Père, cessons de parler de ma sœur. Link semble très confus. Oui, tu as raison. Enfin, tout de même, ramener ici un prodige sans même le savoir, bel exploit, sinon. Link, je sais que les choses doivent être très dures pour toi en ce moment, mais j'aimerais que tu entendes ma requête. Pour tout dire, à l'heure qu'il est, l'avenir de notre domaine est menacé par Vuruta, la créature divine de l'eau. Et je vais être complètement franc avec toi, nous autres Zora, nous pouvons rien y faire. Alors accepterais-tu de venir en aide? Mais bien sûr, je suis venu pour ça. Un instant, votre majesté, nous ne pouvons décemment pas demander de l'aide à un Lilien. Il en va de notre honneur. Mérite. Ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop? Surveille tes paroles, Mérite. C'est moi qui ai demandé à Link de venir ici, face à cette pluie diluvienne. Il n'y a qu'un Lilien qui puisse nous aider. Nous en avons convenu tous. Je suis persuadé qu'avec son aide, nous pourrons sauver notre domaine. Tout à fait. Link est un prodige, nul ne peut le nier. À l'heure qu'il est notre domaine, que dis-je?
Tout Tyrul est menacé d'être englouti sous les eaux. Zora comme Ilien, il nous faut mettre de côté nos différends et nous serrer les nageoires. Auriez-vous déjà oublié, votre majesté? Ces êtres ne sont pas dignes de confiance. Ce sont eux, il y a 100 ans, qui ont exhumé ces armes antiques et plongé Hyrule dans cet état de désolation. Et surtout... Attends, il va nous claquer entre les mains, celui-là? Il va nous faire une crise cardiaque? C'est leur faute si son Altesse Mipha ne reviendra plus jamais. Link. Ruta est la créature divine de l'eau. Elle a le pouvoir de générer de l'eau à l'infini. Récemment, elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel, ce qui a provoqué de violentes pluies dans la région. Pour nous autres, Zora, l'eau est comme l'air, et de telles précipitations ne nous dérangeaient pas en temps normal. Mais le lac de barrage, qui se trouve à l'est d'ici, est sur le point de déborder. Si jamais le barrage venait à céder, non seulement notre domaine, mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subiraient des pertes considérables. Oh là, il y a un bruit. La divine créature se remet à cracher, sûrement. J'ai pas eu le temps de voir la suite. Ok, petite cinématique, je pense. La créature divine de l'eau. Avant le fléau, Zelda, votre princesse, avait étudié les créatures divines en profondeur. D'après les écrits qu'elle a laissés, les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. Mais en ce moment, ils sont détraqués, l'électricité n'y circule plus. Lorsque le vieil étor, qui résiste bien au choc électrique, y a tiré une flèche électrique, le flot s'est affaibli. Mais nous sommes un peuple aquatique, il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors, faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches dans ses mécanismes, le flot a retrouvé toute son intensité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un lien qui pourrait nous venir en aide. Link, j'imagine que tu as déjà compris, mais j'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques, pas de soucis. Bien sûr, je te seconderai. Veux-tu bien m'aider à arrêter Ruta? Pas de soucis. Comment? Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser. Zelda est vivante au château d'Hyrule. C'est tout bonnement incroyable. C'était donc cela. Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique. Mais si nous pouvons entrer dans la créature divine et la récupérer, elle pourra peut-être nous aider à vaincre Ganon. Link, je ne savais pas que c'était ton but. Très bien, je vais te prêter main forte. Si on parvient à mettre fin à sa furie, tu pourras monter à son bord. Link, ensemble, apaisons Ruta. Donc Ruta est donc le donjon, hein, vous l'aurez compris. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. Alors sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. Oh putain! Saloperie de Poufias! Revais ceci, tu pourras remonter les cascades, tout comme les autres Zora, prends-en grand soin. Votre Majesté! Vous n'allez tout de même pas lui remettre l'armure Zora! C'est un gage d'amour remis par les princesses Zora à leurs futurs époux, et ce depuis des générations. Son Altesse Mipha l'a confectionné de ses mains propres. C'est un trésor inestimable! Tout prodige qu'il est, nous ne pouvons pas le remettre à cet individu qui lui est tout aussi étrange. C'en est trop, je ne peux en supporter davantage. Ah, mérite. Vois-tu, il était le précepteur de ma fille Mipha. Tout autant que nous, il chérissait Mipha au fond du cœur, comme si elle était sa propre fille. Et depuis qu'elle nous a quittés à cause du grand fléau, il voue une haine encore plus radicale au Ilia. Je t'en prie, pardonne son impolitesse. Putain, vous parlez beaucoup les gars. Néanmoins, j'ai ordonné à Mérite de rechercher des flèches électriques qui nous permettront d'apaiser Ruta. Mais s'il refuse de coopérer... Link, je vais aller raisonner Mérite, attends un peu. Dans les embrouilles là, ils parlent trop les mecs. Il y a un coffre à gauche du trône. Oui, on va y aller, vous inquiétez pas. Mérite doit se trouver sur la place d'en bas. Pourrais-tu y aller toi aussi? Sidon aura besoin de toi pour le convaincre. Ok. Bon, on va récupérer le coffre. Apparemment, il y a un petit coffre familial. Attends, on va faire le tour par la droite. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, par la droite. Hop, on se retrouve carrément derrière.
Il est où le coffre, frérot? Est-ce que vous seriez pas un peu foutu de ma gueule? Ah, t'avais bien raison, mon petit pote. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh la vache! Oh putain! Ok, ok, ok. Oh là là, et j'ai la tenue Zora. Ok, elle est clairement moins bien. Mais au moins, je pourrais nager. C'est plutôt cool. D'accord, on va se vider, les gars, de notre inventaire. On a quoi? On a des boucliers de merde, j'étais. Hop. On va récupérer ce bouclier qui est quand même magnifique. Et on aura de quoi faire le boss, mine de rien, avec toutes ces conneries. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là, c'était très sympa. Ce petit live en votre présence. On a bien avancé. On a été jusqu'au domaine Zora. Et on est bientôt à notre premier donjon. C'est plutôt cool. Honnêtement, c'est plutôt cool. Et le jeu est encore rempli de surprises. On est qu'à, en tout, je crois, 6 heures de jeu. Donc, vivement demain, j'ai envie de vous dire. Vivement demain. Enfin, vivement demain. Je ne sais pas si on va live demain sur Zelda, mais vivement en tout cas le prochain live. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire si vous êtes en VOD. Merci à tous d'avoir suivi en live, vous êtes incroyables. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à demain, 19h, R6. Bisous tout le monde, ciao ciao.